Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo et pour ma part je suis très content de vous retrouver également, de retrouver mon espace, de retrouver ma bulle, de retrouver ma communauté, de tout retrouver, ça me fait vraiment du bien et ça me fait vraiment très plaisir. Bon, j'ai pas mal de choses à vous dire, à tel point que j'ai hésité en fait à vous faire deux vidéos, voire peut-être trois, et puis je me suis dit que ce serait peut-être trop lourd en fait si je vous envoyais deux ou trois vidéos postées sur la chaîne aujourd'hui, il y a des chances pour que vous ne les verriez pas, donc j'ai pris la décision en fait de diviser la vidéo en deux parties. Alors pour ceux qui sont très pressés et qui ne voudraient pas écouter mon blabla, il n'y a pas de problème, je donne rendez-vous en bas dans la description puisque vous aurez la timeline sur laquelle vous pouvez vous rendre pour accéder directement au tirage. Puisque vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, on va faire les énergies de la semaine. Et puis pour ceux qui ont envie d'entendre mon blabla, eh bien je vous invite à rester. Bon, en tout premier lieu, comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit peu de modification dans le cabinet. Hein. Vous l'avez vu déjà hier, je vous ai fait une toute petite, une micro vidéo. Je crois que c'est la plus courte que j'ai pu vous faire. Une micro vidéo qui vous montrait un petit peu le nouvel agencement du cabinet. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais besoin d'un nettoyage à la fois physique, spirituel, mental, moral, sur tous les plans. Et puis surtout, j'ai réalisé quelque chose, c'est qu'avec le temps, le cabinet, ma façon de travailler, etc., se sont adapté au politiquement correct, à ce que les gens voudraient avoir, etc., ce qui leur plaît, etc. Et quelque part, en fait, c'est à cause de ça que je me suis perdu. Alors, je vais développer, vous inquiétez pas, je vais développer. Mais c'est juste que là, depuis quelques temps, je suis vraiment dans une phase d'éveil spirituel. Si ça vous intéresse, le sujet d'éveil spirituel, je vous ferai une vidéo précisément pour vous parler un petit peu, pour vous développer le sujet, pour savoir si vous-même vous êtes également dans un état d'éveil spirituel. Vous verrez qu'un éveil spirituel, c'est pas quelque chose d'unique dans la vie. Hein, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas toute sa vie dans le spirituel. Ben, quand je dis travailler, je parle pas de profession. Je parle de travailler quotidiennement, de pratiquer, etc., etc. Et puis un jour, vers 60, 70 ans, oh, c'est l'éveil spirituel. Et là, on acquiert une grande sagesse et on a fini notre vie. Non. Les éveils spirituels, on peut en avoir tout au long de sa vie. Comme son nom l'indique, c'est un éveil. C'est-à-dire qu'on prend conscience de quelque chose. Mais c'est au-delà de la simple prise de conscience. C'est vraiment quelque chose sur lequel on va ouvrir les yeux, qui nous fait une sorte de déclic. Vous savez, c'est le truc qui vous motive pour perdre 30 kilos, c'est le truc qui vous motive pour déménager, pour sauter en parachute, pour... Vous voyez. Donc ben, c'est ça en fait, l'éveil spirituel, mais dans un cadre évidemment occulte et ésotérique. Et ça peut se traduire par plein de choses. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir, je sais pas moi, 40 ans de religion chrétienne derrière vous, et puis un matin, vous vous réveillez et vous dites oh, « Non, je vais être bouddhiste ». Vous voyez, bah, voilà, sans aucune explication, sans rien, voilà, les éveils spirituels, c'est ça, pour vulgariser la chose. Et moi, c'est ce qui est en train de se faire, mais ça fait déjà un petit moment en fait que le processus s'est enclenché, mais là, ça fait vraiment, on va dire, bah, peut-être que depuis que j'ai repris le travail, peut-être que ça m'a fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Déjà, le fait de me reconnecter à la réalité, ça m'a fait un bien fou, mais alors vraiment, le fait de revoir des gens, de... Alors oui, je vous cache pas que mon travail est très physique, que je suis fatigué physiquement, surtout là, avec les fins de couvre-feu et compagnie, je peux vous dire qu'on est tous cuit, hein, que ce soit mes patrons, moi et tout, parce que forcément on court beaucoup, les journées finissent beaucoup plus tard, mais voilà, ça fait quand même plaisir de revoir du monde, ça fait plaisir d'être connecté à nouveau avec la réalité, avec le concret, avec les gens, de pouvoir discuter pour de vrai avec des gens, parce que moi, très concrètement, hein, on va parler quand même...
va parler honnêtement, mais depuis mon licenciement économique en tant que Game Master, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir vraiment discuter avec des gens de façon régulière. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vous parle là, vous me voyez à travers votre écran, et moi je vous vois pas du tout, parce que là je suis en train de parler à un objectif. Hein, Ça va que je sais que vous êtes derrière et que du coup, comment on pourrait dire, psychologiquement je me sens moins seul, mais concrètement, soyons réalistes, là je parle à un bout de plastique avec une lentille de verre. Hein. Et donc je vous cache pas que oui, avec le travail déjà ça m'a fait du bien, et je pense que le travail, ce que ça m'a apporté plus d'ancrage, et je crois que c'est ce que j'avais vraiment besoin. C'est-à-dire que dans la vie, il faut vraiment un juste équilibre entre le spirituel et le concret, le pragmatique. C'est-à-dire que si vous êtes trop dans le spirituel, il y a un moment donné dans votre vie où il va y avoir un manque et vous allez être déconnecté de la réalité. Si au contraire vous êtes trop dans la réalité, trop dans le concret, trop dans le pragmatique, eh bien c'est l'inverse, vous n'allez pas pouvoir vous réjouir de petites choses, vous n'allez pas apprécier les petits plaisirs de la vie, voilà, il y a plein de petites choses, hein. En fait, il faut être les deux, c'est-à-dire avoir les pieds sur terre et la tête dans la lune, voilà. Et ceux qui sont trop tête dans la lune, eh ben voilà, et ceux qui sont trop pieds sur terre, eh ben voilà, voilà. Hein. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est logique ce que je suis en train de vous dire, hein, je l'invente pas, la vie est faite d'un équilibre. Et j'ai réalisé en fait que ce soit mon cabinet, ma chaîne, ma méthode de travail, plein de choses, en fait, je me suis trahi moi-même. C'est-à-dire que à toujours vouloir aider, j'espère que vous l'entendrez pas, j'ai des ouvriers qui sont en train de passer, qui sont en train de faire des travaux dans le jardin qui est à côté. Donc excusez-moi s'il y a une espèce de bruit de fond qui ressemble à un gros bourdon. C'est pas un bourdon, c'est leurs appareils électriques là. Donc je vous disais que je me suis trahi tout seul, dans le sens où à force de toujours vouloir faire plaisir aux autres, à force de toujours vouloir être politiquement correct, de m'adapter à ce que les gens aiment, à ce qu'il leur plaît, etc., 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 eh bien tout ceci a contribué à ce que je perde mon identité, à ce que je perde ce qui me faisait être moi. Et ça m'a pas allé. Ça m'a pas allé parce que je n'aime pas ressembler aux autres. Ça vous le savez quand même. Enfin j'espère. Au bout de 3 ans que vous me suivez, je pense que vous le savez. J'aime pas ressembler aux autres. J'aime pas faire ce que les autres font. Moi au contraire, j'aime bien un petit peu la provoque. J'aime bien un petit peu montrer que je n'appartiens pas au moule, que je n'ai pas forcément envie d'être politiquement correct, que je n'ai pas envie forcément de vouloir faire plaisir à tout le monde. vous voyez ce que je veux dire? Alors là, vous dites, mon Dieu, mais Jojo, je le reconnais pas. Non, mais en fait, c'est pas que vous ne me reconnaissez pas. Enfin, ceux qui diraient cette réflexion, eh bien, en fait, je vous invite vraiment à redéfinir votre conception de moi-même, parce qu'en fait, ce n'est pas que vous ne me reconnaissez pas, c'est que du coup, vous ne me connaissez pas. Parce que le véritable Jonathan, c'est quelqu'un qui, voilà, qui aime être entre les deux, qui, d'ailleurs, hein, rien que le titre de ma chaîne n'est pas anodin, puisque je l'ai intitulé « L'œil dans le noir », c'est-à-dire qu'il y a une part de noir, et en fait, j'aime voir tout ce qui est occulté, tout ce qui est caché, tout ce qui est tabou, tout ce qui est interdit. Pour ma part, je n'ai pas de tabou, je n'ai que peu d'interdits, et par conséquent, eh bien, il y a des choses en fait qui font que je me reconnaissais plus du tout. Et là vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous annoncer? Là il nous annonce qu'il a abandonné la lumière, qu'il s'est retourné vers Satan, qu'il est en train de sacrifier des chèvres dans les cimetières. Non, je vous rassure. Je vous rassure, en plus j'ai mis un débardeur noir, donc du coup ça va être pas bien. Non, attendez, déjà je vous montrerai, voilà, que je n'ai pas viré ma cutie. Non, c'est simplement que j'ai besoin de revenir à cet équilibre en fait, de revenir à mes origines, de revenir à mon identité, et j'en ai marre tout simplement de devoir faire des choses juste pour plaire aux autres, pour leur convenir, pour pas les choquer parce que j'aurais employé tel mot et tel mot. Ça, si vous saviez comme ça peut être pénible. Avant que je parle, parce que vous ne vous rendez pas compte,
Mais c'est aussi pour ça des fois que je bégaye. Parce que j'ai tellement un débit de mots importants, je pèse chacun de mes mots avant de les prononcer. C'est-à-dire qu'avant de vous sortir la phrase, pendant un quart de seconde, dans mon cerveau, ça me dit, est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux pas le dire? Est-ce que tu vas choquer en disant ça? Vous voyez? Et je pèse chacun de mes mots. Et je vous jure, les amis, c'est d'un pénible, mais à outrance, je pourrais même pas l'expliquer, tellement toujours de devoir filtrer, de devoir se reposer la question en se disant est-ce que je le dis, est-ce que je peux le dire comme ça, est-ce que je devrais pas le dire autrement, etc. etc. Bref, c'est infernal. Donc j'ai plus envie de tout ça. Si ça choque, eh ben tant pis, c'est votre problème, j'ai envie de dire, hein. S'il y a quelque chose un jour que je dirais qui va vous choquer, eh ben alors ça peut venir de moi dans le sens où peut-être que oui, là pour le coup, je l'ai peut-être vraiment mal formulé et que j'aurais pu le dire autrement. Ou alors ça peut venir aussi de vous dans le sens bah, qu'il faudrait vous remettre en question et que s'il y a ce point-là qui vous dérange, bah après tout c'est votre problème, c'est pas le mien. Hein. Je sais pas, moi je vais vous dire un truc tout bête. C'est tellement bête que j'ai pas d'exemple. Non mais je sais pas, un truc par exemple pour vous qui serait tabou mais qui pour moi ne le serait pas et j'en parlerais avec une facilité déconcertante. Et vous à tel point ça vous mettrait mal à l'aise et vous seriez choqué par mon discours, non pas parce que c'est moi le problème mais parce que c'est vous, vous butez sur ce truc qui pour vous est tabou et le fait d'en entendre parler ça vous dérange. Et ben oui mais ça vous dérange vous, ça me dérange pas moi donc je m'en fous en fait de savoir que ça vous dérange vous en fait. C'est ça la vérité. Et je me suis dit que je pouvais plus être comme ça. Et je me suis perdu. Je me suis perdu au fil des mois. Je me suis laissé en plus accaparer par sans arrêt les demandes, les sollicitations, les mails, les ceci, les cela. Toujours devoir me plier en quatre. Toujours à devoir me justifier. Toujours. Ça, j'en ai marre. J'en ai plus que marre. Parce que après tout, moi, je ne demande pas des justifications de Pierre-Paul Jacques. Après tout, je ne vous envoie pas 300 millions de mails par jour pour vous dire qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Et t'étais avec qui et comment ça s'est passé et machin. Je vous demande rien, il me semble. Pourquoi moi je devrais le faire? Pourquoi moi je devrais me justifier? Pourquoi moi je devrais rendre des comptes à Pierre, Paul, Jacques, machin et tout? Non. Après tout, les informations, je les délivre tout le temps, que ce soit sur la chaîne, que ce soit sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, dans l'onglet communauté. Je pense que je rappelle suffisamment les informations comme ça tout le temps, régulièrement, puisque très souvent quand je vous mets un post sur Instagram, il y a le même sur Facebook et il y a le même sur YouTube. Donc l'information, elle est reliée. Plus que de raison. Et malgré tout ça, je trouve toujours le moyen de devoir me rejustifier parce que ceci, parce que cela, parce que, eh ben merde, voilà, aujourd'hui ça va changer, je ne me justifierai plus de rien, j'ai une vie, ceux qui me suivent le savent, je travaille. L'avantage c'est que mes horaires, là on attaque les horaires d'été, donc ce qui fait que mes horaires vont être allégés, donc ce qui fait que je vais pouvoir bien revenir de façon plus assidue sur la chaîne, je vais pouvoir aussi me mettre à jour sur le retard que j'avais pu accumuler et une fois que je me serais mis à jour sur le retard, je ne prendrai plus de retard dans le sens où je ne prendrai plus de travail, c'est-à-dire les consultations, etc., etc., les commandes de jeux, etc., etc., je n'en ferai plus, terminé. Parce que ça me rajoute trop de stress, ça me rajoute des contraintes, ça me rajoute du travail, ça me rajoute plein de choses que je veux pas me rajouter. Moi, ce que je veux, c'est à la base, c'est ma chaîne, c'est partager des choses avec vous. Je veux vous offrir du contenu et ça prend déjà du temps pour réaliser du contenu. Surtout là, vous allez voir, la chaîne va prendre un certain virage quand même, hein. J'ai envie d'orienter la chaîne vraiment vers des choses précises. Et vous donner une vraie identité de chaîne et pas une qui soit lambda parmi d'autres. Et c'est ça le problème, c'est ça qui me dérangeait en fait. C'est que ma chaîne petit à petit commençait à se transformer ben, en plein de chaînes qu'on peut trouver sur YouTube et ça me va pas, ça me va pas. Comme vous le savez, moi je me contrefous de savoir si ma vidéo va faire 10 000 vues, 1 million de vues ou 100 vues, peu importe. Moi ce que je veux c'est vous partager quelque chose qui me parle, quelque chose qui soit réel, quelque chose qui me plaise, quelque chose qui soit en rapport, en lien avec ce que j'aime, avec qui je suis, etc. Donc je m'en fiche en fait. Si mes prochaines vidéos tombent à 500 vues à chaque fois, eh ben c'est pas grave, elles tomberont à 500 vues à chaque fois, mais j'ai pas envie de faire des vidéos buzz, j'ai pas envie de faire des trucs. Non, ça pour ça, de toute façon, vous le savez, j'ai toujours fait comme ça. En plus, mes vidéos, j'ai jamais vraiment fait le buzz avec mes vidéos. La seule vidéo qui a fait le buzz, c'est la vidéo du livre des ombres qui a fait 17 000 vues. Ah, ça.
C'est la vidéo à l'heure actuelle qui a fait le plus de vues. Mais je m'en fiche en fait, je m'en fiche complètement. Et moi ce que je veux c'est vraiment vous partager des choses qui me plaisent et que j'ai envie de vous partager. Peu importe que ça choque ou pas, je m'en fous maintenant, je ferai ce que j'ai envie de faire. Donc ce qui va vous intéresser maintenant pour la chaîne, pour le devenir de la chaîne, parce que ça fait 14 minutes que je vous parle et là vous vous dites Jojo c'est bon ça fait un quart d'heure, on veut savoir quel va être le devenir de la chaîne, quel va être ce changement dont tu nous parles. Eh bien ce changement tout simplement il va s'opérer en termes de magie. Puisque j'ai vraiment envie de partager avec vous tout l'aspect magique pratique. Alors, il y avait l'option... Alors, elle va toujours rester ainsi l'option, puisque vous savez que sur la chaîne, vous avez le bouton « Rejoindre » qui vous permet de rejoindre la chaîne via un abonnement. Ça ne va pas changer dans le sens où il y a des choses que j'ai envie de partager avec vraiment que certaines personnes, parce que ma magie, ma pratique, il y a des choses que je n'ai pas envie de mettre publiquement, mais que j'ai envie de vous partager pour ceux qui voudraient se lancer dans vraiment la pratique de la magie, parce que là aussi, je vais vous en parler après, hein, mais je vois des trucs sur les réseaux sociaux, les vidéos et compagnie qui sont en train de me saouler, mais au plus haut point, les pseudo-sorciers, sorcières et compagnie, les trucs d'Harry Potter, de charme qui jette trois cailloux qui ça vraiment ça m'agace au plus haut point. Donc voilà, je veux pratiquer vous montrer ma magie, mais je la montrerai uniquement qu'à un cercle vraiment très restreint. Et en revanche pour les autres, je vous montrerai aussi de la magie, des rituels. Alors ce sera pas que les sabbats, parce que les sabbats, autant vous dire que le dernier en date, l'Ita, je l'ai un peu en travers de la gorge, parce qu'on avait tout programmé avec les filles machin et tout, et puis il a fait un temps épouvantable. Mais quand je dis épouvantable, c'est-à-dire que là concrètement ça fait une semaine qu'il fait que pleuvoir, orage sur orage et compagnie, donc impossible de sortir, impossible de faire quoi que ce soit. Donc du coup l'Ita, je n'ai rien pu faire. C'est pour ça que vous n'avez pas eu la vidéo sur l'Ita, parce que on n'a pas pu le fêter l'Ita, hein. Surtout en plus on devait partir au Mésin. Alors le Mésin, comment vous dire que déjà en plein été il faut partir avec la doudoune, mais alors quand il y a de l'orage voilà. Donc du coup on n'a rien fait et il n'y aura pas que les sabbats en fait, parce que j'ai envie de vous partager d'autres choses. Donc il y aura des vidéos entre guillemets publiques sur la chaîne, on va dire tout âge, hein, comment on appelle ça, friendly, qui seront toutes politiquement correctes, etc. Et puis il y en aura d'autres qui, ceux qui auront vraiment rejoint la chaîne, auront accès à une autre partie de la magie qui peut parfois s'avérer être plus sombre. Parce que comme vous le savez, la magie, tout le monde, c'est un équilibre avant tout. Et vous allez découvrir que déjà il n'y a pas de magie rouge, il n'y a pas de magie noire, il n'y a rien de tout ça. Je vous l'expliquerai en détail, plus en détail. Mais voilà. Et tout ça, c'est vraiment un petit cercle avec qui j'ai envie de partager ça. Alors, sauf si évidemment vous êtes toute la communauté à cliquer sur le bouton rejoindre, du coup vous aurez tous accès. Mais sinon, non, il y aura plein de vidéos, il y aura du contenu qui sera vraiment exclusif, que j'ai pas envie de montrer, que j'ai pas envie de révéler, et c'est tout. Voilà, maintenant pour la question de l'abonnement, je n'en parlerai pas, je n'épiloguerai pas. Après tout, YouTube, ma chaîne, c'est quand même aussi mon entreprise, il faut aussi que je génère un petit peu de chiffres, je ne travaille pas pour la gloire, donc voilà. En plus, l'abonnement, je pense faire partie des raisonnables, hein, puisqu'il est à 4,99€, j'ai envie de dire que c'est quand même plus que correct, hein. Je connais des YouTubeurs qui l'ont mis à 15€, voire 30€ quand même, hein, voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur YouTube, quand vous mettez l'abonnement, il vous propose des montants, et le montant le plus entre guillemets célèbre, non comment ils appellent ça, c'est pas célèbre, c'est le plus courant, le plus couramment utilisé, et bah c'est le 4,99€, donc j'ai pris lui qui était le plus petit, plutôt que de vous proposer des trucs qui étaient ultra chers, pour vous montrer déjà que je ne vous vole pas, mais c'est mon entreprise et il faut que je travaille, et ça il faut qu'il y en ait qui le comprennent, que ça leur plaise ou non, c'est mon activité, et je travaille pas pour la gloire, je travaille pas pour le plaisir, je donne quand même du temps, et le temps, on le dit bien, dans ce monde, hein, le temps c'est de l'argent, mais non, mais sans parler de ça, c'est pas question que le temps c'est de l'argent, c'est question que moi j'investis beaucoup pour ma chaîne, et cet argent en fait je ne le récupère pas, il est vraiment perdu, sauf que investir pour une entreprise
dans laquelle vous n'avez aucun bénéfice, consciemment parlant, je ne connais aucune personne qui travaillerait dans une entreprise pour la gloire. Hein, je sais pas, demain vous allez bosser, votre employeur vous dit, bon, écoute, Janine, à partir de demain, tu travailles gratos juste pour le plaisir de venir. Bon, je pense que vous lui dites salut. Non, voilà. Donc, moi, c'est le même principe. Et maintenant, je sais ce que vous vous dites. Jojo, tu nous as parlé magie, ça c'est cool, ça m'intéresse, machin et tout. Mais est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? Oui, il va y avoir d'autres choses aussi. Les reviews ne vont pas changer. Hein. Je vous proposerai toujours des reviews. Mais ça, je le dis, je le redis. Toutes les reviews que je vous fais pour... 80% des reviews que je vous fais, c'est, comme dirait une certaine youtubeuse, c'est sponsorisé par ma carte bleue, c'est-à-dire que c'est moi qui paye mes jeux, mes livres, etc. À part certains, vous le savez, voilà, on m'envoie des fois des petits cadeaux, des choses comme ça, mais très souvent, c'est moi. Donc, tout ce que je vous présente, je n'ai pas d'argent derrière, et si je vous le présente, c'est vraiment pour le plaisir de vous le présenter, parce que ça me plaît. Là, par exemple, dernièrement, j'ai reçu, il faut que je vous fasse la présentation. J'ai reçu message de ton cœur et j'avais le premier message de ton âme, c'est de Charlotte Dance et Celia Melville. J'avais adoré message de ton âme, donc du coup quand j'ai vu qu'il y avait message de ton cœur, j'ai pas réfléchi, je l'ai vite pris et j'ai pas été déçu. Donc du coup ces deux là je vous les avais pas présentés, donc je vous les montrerai. Mais voilà, donc tout ce qui est review sur les livres etc, ça ne changera pas, je vais vous en faire d'autres. D'ailleurs les livres, il faudrait que je vous montre un petit peu, parce que je sais pas si vous voyez là au-dessus de moi, j'ai quand même pas mal d'ouvrages, des ouvrages qui pourraient potentiellement en intéresser plusieurs, puisqu'il y a des ouvrages récents, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins, sur toutes les thématiques, et je pense que ça pourrait vous intéresser, surtout que j'ai, sans vouloir me vanter, 2-3 pépites quand même, qui sont pas forcément très connues ou très répandues, et pourtant qui sont des vraies mines d'or, qui sont bien plus intéressantes que certains ouvrages, et donc je présenterai tout ça. Ensuite, il y aura du gaming, parce que vous êtes quand même plusieurs à m'avoir réclamé les suites de Medium, en plus Phasmophobia, il y a une nouvelle map, et il y a de nouvelles entités. Donc j'ai prévu de vous faire un Phasmophobia découverte sur les nouvelles maps, etc. J'ai trouvé aussi un nouveau jeu d'horreur. Alors celui-ci, c'est pas dit encore que je puisse le faire parce que j'ai vu 2-3 extraits, il a l'air terrifiant. Une espèce de Phasmophobia like où en fait, en plus de faire votre enquête paranormale, il faut faire le boulot des Warren, c'est-à-dire exorciser l'esprit et exorciser le lieu. Donc à coup d'eau bénite, machin et tout. Mais en fait, le jeu, il est tellement plus terrifiant que Phasmophobia que franchement, je sais pas quand est-ce que je vais vous faire des vidéos dessus. Mais voilà, tout ce qui est gaming aussi, toujours dans l'univers, hein, dans l'univers ésotérique, ça restera. Et tout ce qui est guidance, voyance, tout ça, j'en ferai, je continuerai à en faire parce que je sais que vous y êtes très attachés. En plus, j'ai commencé un petit peu à vous sevrer puisque j'ai arrêté les énergies du jour qui concrètement n'étaient pas possibles avec tout ce que je voulais faire à côté. Donc on est passé aux énergies de la semaine. Si je vous enlève les énergies de la semaine, je pense que vous allez être la moitié de la communauté à partir de vous suicider. Donc je ne peux décemment pas vous enlever les énergies de la semaine. Donc ça, on va y garder. Je continuerai à vous faire aussi des guidances spontanées, etc. J'ai aussi envie de faire des lives, donc je vous en ferai plus. Alors le problème, c'est que je pense que vous serez tous partants pour le soir pour les lives, sauf que moi la plupart des soirs je travaille, donc c'est pas possible. Le mardi je suis très occupé avec plein de choses pour la chaîne, donc les mardis soirs ça peut... Le problème, c'est que j'ai le lundi soir et le mardi soir. Mais le mardi soir, si je peux vous faire un live, ce serait pas avant au moins 22h. Mais 22h, c'est pas dit que tout le monde soit là. Et le lundi soir, est-ce que tout le monde sera là? Alors comme là, c'est les vacances, peut-être que vous serez plus là. Donc je sais pas, je vous ferai peut-être un sondage. Vous me direz ce que vous préférez et on mettra ça en place. Et je veux faire aussi des lives. Alors ce sera... Quand même, j'ai pas envie de vous punir par rapport aux consultations, c'est-à-dire que vous dites « Ouais, Jojo, bah, c'est dommage, on peut plus le consulter, machin et tout. » Vous allez quand même pouvoir, mais je vais mettre en place un système
qui sera plus facile et pour vous et pour moi. Un système que on avait plus ou moins testé au mois d'avril, que vous aviez bien aimé, mais qui était trop le bazar dans le sens où vous allez comprendre. En fait, je veux faire des live voyance où je réponds à vos questions en direct, mais concrètement je ne peux pas le faire avec presque 7000 personnes, c'est pas possible. Donc Cédric il se mettra en modo et moi je mettrai en Madame Irma. Mais le truc c'est que c'est pas possible si vous êtes 7000 à me solliciter en une heure, deux heures de live, c'est pas possible de pouvoir répondre à tout le monde, vraiment c'est pas possible. Donc ce que je ferai, ces lives là, eux seront dans la partie restreinte, vous savez. Alors là vous allez dire oui ça y est c'est dégueulasse machin, faut prendre l'abonnement sinon il n'y a pas droit machin et tout, mais je m'en fous, si c'est ce que vous pensez je m'en fiche, mais c'est surtout dans le sens où ce sera plus pratique parce que vous êtes beaucoup moins nombreux à avoir rejoint la partie abonnement, hein. Donc ce qui fait que là je peux vraiment prendre du temps pour répondre davantage aux personnes, et puis en plus comme vous payez l'abonnement c'est quand même un service, vous ça vous coûte moins cher qu'une consultation puisque du coup ça vous coûte 5€ d'abonnement contrairement à 20€ de tableau fantabuleux ou 60€ de consultation privée, hein, ça vous coûte que 5€. Donc vous voyez ce que je veux dire, vous préférez quoi, payer 60 balles ou vous préférez payer 5€, vous voyez? Et là, vous dites, ah, là, oui, on est d'accord, Jojo, c'est moins dégueulasse. Donc, je mettrai en place ce système-là et je pense que ça, le live, peut-être à raison de deux fois par semaine, une fois par mois, c'est sûr. Peut-être deux fois par semaine, je sais pas, je vais voir comment je vais m'organiser. Parce que j'ai tellement envie de vous partager plein de choses que il faut que je mette plein de choses en place. Voilà, tout simplement. Bon, et puis vous allez aussi découvrir une autre facette parce qu'après tout, je me suis dit que l'œil dans le noir, comme je vous l'ai toujours dit, l'œil c'est la métaphore du troisième œil, cette vision du troisième œil. Et le noir c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est occulté, tout ce que l'on ne sait pas. Et en fait, j'ai envie aussi de vous montrer plein de choses, de casser certains clichés, de vous apporter une vraie culture sur certains sujets, des sujets qui peuvent faire très peur, des sujets qui sont très sombres, puisque j'ai envie aussi de partager avec vous tout l'aspect de démonologie, vous apprendre vraiment qu'est-ce que c'est les démons, leurs différents noms, etc. On va s'appuyer sur des textes de référence comme la Goétie, les clavicules de Salomon, le Legemeton, le Necronomicon, le dictionnaire infernal, hein, je vous montrerai de toute façon tous les livres. Là, je sais pas si vous voyez là en haut ici, là, toute cette section c'est livres interdits, livres noirs et livres interdits. Bon, ces livres, je vous les montrerai, je vous en parlerai. Et on va travailler ensemble aussi tout ce qui est entité, créature, etc. Parce que c'est bien beau en fait, mais ce qui me dérange, c'est qu'il y en a plein dans mes confrères ou autres qui sont là à dire oui alors faut se protéger, tu mets une pierre, tu mets du sel, machin, mais oui mais non en fait. On se protège de qui, on se protège de quoi et pour qui et pourquoi, etc. et comment, et c'est comme un médecin en fait. Un médecin, quand vous allez voir un médecin, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas dans votre corps. Et vous voulez savoir, le médecin va vous dire exactement qu'est-ce que cette chose qui cloche pour vous donner le traitement le plus approprié. Et ben en spiritualité c'est le même principe, c'est à dire qu'on va pas juste mettre du sel, faire ceci, mettre une pierre de machin de, et puis pouf ça protège d'absolument tout et n'importe quoi. Non, pour être un bon sorcier, pour être une bonne sorcière, il faut comprendre toute la partie lumière, mais il faut aussi comprendre la partie ténèbres, et il faut travailler dans les deux pour pouvoir comprendre, pour pouvoir se protéger de tout, parce que parfois il peut y avoir aussi certains châtiments divins du côté lumineux, donc parfois il faut s'en protéger parce que parfois ça peut être injuste aussi, parfois on peut requérir l'aide d'un démon qui va pouvoir nous aider sur une tâche précise parce que c'est un petit peu tabou, c'est un petit peu sensible et justement un ange gardien ne le ferait pas parce que c'est contre ses lois entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça il faut l'apprendre, et j'en ai marre en fait de tous ces clichés. Dès qu'on a le malheur de dire ceci je crois pas en cela ou je crois en cela, tout de suite t'es satanique, t'es machin, t'es, mais les gens arrêtez d'être bêtes, franchement il y en a, mais ils ont vraiment pas inventé l'eau chaude en fait. Ça me rappelle les débuts de ma chaîne, le titre justement œil dans le noir, quand on me disait oh t'es satanique, oh y a Annabelle derrière toi, t'es satanique, oh y a ceci, y a cela, mais pff,
vous avez vraiment pas inventé le beurre, hein. Tous ceux qui m'ont sorti ces réflexions là, vous avez vraiment pas inventé le beurre quand même, hein. Et parce que surtout que c'est en plein, mais en plein de clichés, emprunt pardon, en plein. Oui, mais en plein aussi, c'est en plein dans les clichés. Mais c'est emprunt de clichés. Vous prenez par exemple la figure du Baphomet. Alors la figure du Baphomet, je vous la montre, c'est ça. Et là vous allez me dire, oh, Jonathan, il a ça chez lui. Bah oui, j'ai ça chez moi. Donc le Baphomet, c'est ça. Ça, je ferai une vidéo sur ça. Pourquoi? Parce que le Baphomet, c'est pas du tout, mais alors pas du tout, une représentation satanique. Pas du tout. Le Baphomet, je vais vous rappeler, vous expliquer rapidement, hein, mais en fait déjà c'est une mauvaise traduction, une mauvaise interprétation du prophète Mahomet, en fait, hein, de la part des Templiers quand ils sont partis en croisade. Mahomet, ils ont compris Baphomet, donc voilà. Et en fait le Baphomet, c'est un emblème alchimique. À la base, c'est pas du tout satanique, c'est alchimique. Puisqu'en fait, le Baphomet, il pointe à la fois le haut, hein, par exemple, il fait ce signe avec la main droite, c'est pour montrer, en fait, l'obscurantisme, hein, tout ce qui est, voilà. Et par exemple, solve coagula, hein, c'est ce qui est écrit sur ses avant-bras. Solve, c'est le fait de dissoudre les choses, et coagula, eh ben, c'est coaguler. Hein, et en fait, le Baphomet, tout simplement, il symbolise que tout ce qui est en haut est égal à tout ce qui est en bas. Le bien, le mal, le jour, la nuit, le feu et l'eau, etc. L'homme et l'animal, et en fait la figure du Baphomet, c'est pour représenter la fusion alchimique entre deux opposés pour s'unir dans une parfaite union, dans quelque chose qui est équilibré, voilà. Et tout simplement, comme d'habitude, les hommes ont encore dérivé tout ça pour en faire un emblème satanique, alors que pas du tout, voilà. Bon, mais ça je vous en parlerai plus en détail. Voilà, donc c'est le type aussi de vidéo que je veux vous faire, c'est-à-dire vous expliquer des choses qui sont empreintes de clichés, et même vous, hein, je suis sûr que là, le Baphomet, si vous avez écouté, vous êtes... Ah ouais, ah oh, punaise, mais je savais pas ça, pour moi c'était la figure de Satan. Eh ben oui, mais je vous en veux pas de le croire, parce que ben on vous a appris à croire ça. Mais en fait non, c'est je prends ma triquetra, combien de fois on me dit ah, oh, le symbole de Charmed, ça me fait grincer des dents à chaque fois. Alors oui, c'est le symbole de Charmed, mais c'est comme la croix gammée, hein, la croix gammée, dès qu'on la voit, oh, Hitler. Ben non, la croix gammée, ça s'appelle une svastika, c'est sur le front de Shiva à la base, ça symbolise le soleil, le cycle, la puissance, le pouvoir, plein de choses, mais pas Hitler. Bon, bah, y a plein de choses comme ça qui font que, au gré du temps, au fil des siècles et des millénaires, l'homme s'est complet dans les clichés les plus sordides, les plus débiles et les plus absurdes, continue à les véhiculer encore aujourd'hui, et aujourd'hui, je le vois, en fait, ce qui me dérange le plus dans le milieu ésotérique, c'est pour ça que je me suis désabonné de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, parce que ces personnes, en fait, continuent à véhiculer ces images complètement clichés. C'est-à-dire que, aujourd'hui, il n'y a plus l'inquisition, l'église n'est plus la reine mère qui dirige tout, et il n'y a plus l'inquisition, il n'y a plus les bûchers. Mais quand j'en vois certains qui sont complètement enfermés dans leur obscurantisme et qui, de par un manque de culture important, continuent à véhiculer des clichés qui sont grotesques, et puis après, ces mêmes personnes vont dire, bah, je comprends pas, mes rituels ils fonctionnent pas. Bah oui, mais pour qu'un rituel il fonctionne, pour que la magie puisse fonctionner, il faudrait déjà comprendre et connaître les, entre guillemets, la vérité derrière certaines choses. Hein, si vous vous mettez à genoux devant le Baphomet en priant Satan, bah, il y a de fortes chances pour qu'il vous réponde pas, parce que forcément ce n'est pas une figure de Satan, vous voyez ce que je veux dire. Même le satanisme en lui-même, hein, c'est même pas une religion, c'est pas un mouvement, c'est une philosophie, c'est une idée de vie. Satan n'est pas une divinité que l'on vénère, mais plus un emblème, une sorte de Marianne de la révolution, c'est-à-dire celui qui s'oppose, celui qui est contre justement certaines lois, la soumission, etc., mais au contraire pour la liberté individuelle, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et tous ces clichés, en fait, je ne les supporte vraiment plus, et c'est dans ce mouvement, en fait, d'éveil spirituel qui fait que je me rends compte, en fait, que ce qu'on dénomine charlatan, tout de suite on voit le gourou 0,899, un machin à 3€ la minute, mais en fait il y a d'autres aussi types de charlatans, mais sans forcément s'en rendre compte. Mais le problème, en fait, c'est ce manque de culture trop importante, et ça, c'est quelque chose que je ne peut pas accepter et que je ne peux pas tolérer, surtout quand on est des personnes qui sont amenées quand même à raconter des choses à d'autres personnes, qu'on est censé être des, entre guillemets, guides, c'est un bien grand mot, hein, mais vous m'avez compris, je veux dire, quand on est une personnalité publique et qu'on se met sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc., et puis qu'on est là
à jouer les pseudo coachs spirituels machin et qu'en fait derrière tout ça on n'a pas une once de culture, qu'on sait même pas ce que c'est que un baphomet, qu'on sait même pas enfin vous voyez, des bases quoi, on parle même pas de choses très élaborées, on parle de base en plus. Bah quand il y a ce gros manque de base derrière, bah oui, pour moi ces personnes-là du coup ne sont pas légitimes dans ce qu'elles font, elles ne sont pas légitimes dans ce qu'elles pratiquent, et pire encore, elles véhiculent des choses et des idées qui sont dangereuses parce que bah c'est des mensonges en plus, vous voyez, et ça je peux plus. Ça, très concrètement aujourd'hui, ça je ne peux plus, je ne le supporte plus. Donc c'est pour ça aussi que je me suis déconnecté de pas mal de choses pour faire un point et me dire ouais non mais en fait Jo là t'es en train de dériver, t'es en train de devenir comme Pierre ton voisin, comme Paul ton voisin, comme Janine la voisine, et ça va pas, ça me va pas. Même si sur la chaîne tout ce que je vous ai toujours dit, il y avait toujours la vérité, hein, je vous ai jamais menti sur quoi que ce soit, qu'on soit bien d'accord. Tout ce que je vous ai inculqué, tout ce que je vous ai appris, c'était ma vérité, pas la vérité, mais ma vérité, d'accord? Et avant de vous communiquer des informations, vraiment, je fouille à fond, je vérifie toutes mes sources, mais attention, je les vérifie pas que sur un truc, c'est-à-dire que je vais aller par exemple sur plusieurs sites internet, vous savez que internet, vous avez absolument tout et surtout n'importe quoi, donc vérifiez toujours vos sources plusieurs fois. Donc je vérifie mes sources d'abord sur plusieurs sites internet pour voir si effectivement les informations corroborent les unes avec les autres, ensuite je vais puiser dans tous mes ouvrages pour voir si là encore les informations corroborent, etc. Et puis je vais passer 2-3 coups de fil à justement à des petits amis qui sont assez bien placés, qui savent certaines choses, pour leur dire attends, je viens d'apprendre ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça corrobore. Et puis quand je vois eh ben, que l'information, en tout cas il y en a une qui tient la route et qui est effectivement reliée par des écrits, des livres, des sites et machin et tout, je me dis qu'effectivement là je peux vous communiquer l'information à ce moment-là, ou même des choses que j'ai expérimentées moi-même, hein. Et ça, oui, ça semble prétentieux et arrogant de ma part de le dire. Mais moi, je peux me targuer de vous livrer des informations qui tiennent la route dans le sens où j'ai vérifié la source, où j'ai pris le temps de vérifier toutes mes sources, où j'ai pris le temps soit d'expérimenter ou de l'avoir vécu ou autre, etc. Et du coup, je vous partage ce que j'ai vécu, mais sans vous dire c'est la vérité, hein. C'est-à-dire que ça m'est arrivé parfois de faire certaines projections dans ce que Elise, dans Insidious, elle appellerait le lointain. C'est mon expérience, c'est pas parce que moi je l'ai vécu comme ça que c'est comme ça de l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire? Toutes les expériences aussi surnaturelles que j'ai vécues, c'est pas parce que moi je les ai vécues comme ça que c'est la vérité, que ça se produit comme ça à chaque fois, pour tout le monde, pour tout le temps. Non, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'insiste bien quand je vous dis c'est ma vérité, c'est pas la vérité, c'est ma vérité, c'est mon expérience, c'est mon vécu, c'est mon ressenti, hein. Et voilà. Donc là, maintenant que j'ai dénoncé tout le monde, non, pas tout le monde, mais c'est juste qu'il y a des trucs, ouais, que je supporte plus, des trucs qui m'agacent, des trucs qui... c'est comme la voyance, là, il y a plein de trucs dont je me suis vraiment désabonné, il y a plein de monde que je suis plus, en fait, que je suis plus parce que j'en ai plus envie. En fait, ça va paraître méchant, ce que je vais dire, mais quand j'écoute certains, c'est creux. Il y a rien derrière, enfin on le sent quand il y a quelque chose, enfin vous voyez ce que je veux dire, on le sent quand il y a, et quand j'en écoute certaines, c'est creux, et puis j'accroche pas, et puis il y a aussi la façon d'être, hein. Je vois par exemple Solveig qui est toujours comme ça, comme moi, elle est illuminée, elle est tête dans la lune, et on voit que Solveig elle a ce truc, elle le dégage d'elle-même, en fait ça se dégage tout seul. Les personnes qui sont comme ça connectées au spirituel, elle rayonne par elle-même. Et il n'y a pas besoin de percevoir les auras pour le sentir, hein. Vous prenez Solveig, vous regardez n'importe quelle vidéo de Solveig, vous voyez bien que cette femme, elle est touchée par quelque chose, qu'elle a un truc qui se passe dans la tête à ce moment-là, qu'elle a des émotions, qu'elle a des ressentis, enfin, ça se voit, elle ne joue pas. Qu'il y en a d'autres, ils sont là à parler, c'est super fluide, c'est machin, c'est... Oh, j'ai un flash, non, mais non, non. Je suis désolé, mais il y a des choses que j'avais envie de vous dire, et voilà. Et en fait, tout ce que je vous dis là, ça a contribué à cet éveil spirituel, et qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager vraiment qui je suis, et que j'ai plus envie d'être politiquement correct, que j'ai plus envie... ça vous choque, et tant pis, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, ça m'a pas choqué, j'ai pas de problème avec ça, donc j'ai envie de dire pourquoi ça serait mon problème. Pourquoi est-ce que votre problème deviendrait mon problème? Non, chacun son caca, hein.
Non, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être comme j'ai envie, d'être qui je suis vraiment, de pratiquer ce que j'ai envie de pratiquer, de vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer. Si ça plaît, eh ben, j'en serais très content. Et ceux qui ça plaît pas, eh ben, vous prenez la porte et puis vous faites pas chier. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, sur ce, j'ai quand même assez parlé puisqu'on a 40 minutes de blabla. Donc maintenant, on va passer aux énergies de la semaine. Donc à nouveau 40 minutes. Donc on va partir sur 1h20 de vidéo. Hein. Je pense que vous pouvez sortir popcorn et compagnie parce que. Allez, à tout de suite, les amis, pour le tirage des énergies de la semaine. Allez les amis, on se retrouve donc pour notre tirage des énergies de la semaine à venir, la semaine donc du 28 juin au 4 juillet 2021. Le format va un petit peu changer, oui et non, puisque le fond va rester un petit peu le même, il y a peut-être juste un peu la forme qui va changer, c'est-à-dire que le fond, on va faire nos énergies comme d'habitude, avec mes jeux. Ah oui, j'ai envie d'être très chauvin, mais après tout, j'ai quand même passé du temps à créer mes jeux, c'est pour les utiliser, et comme je vous l'ai dit, après tout, on est tous original, on est tous uniques. Si c'est pour utiliser ce que tout le monde utilise, il n'y a pas d'intérêt en fait, donc autant continuer l'originalité jusqu'au bout. Je propose de travailler avec l'ombre et la lumière. Alors je sais pas si vous allez pouvoir les voir, j'ai mis un petit bougeoir, celui-ci c'était une amie qui me l'avait offert, que j'aime beaucoup, qui représente bien je trouve mon veilleur. Et on va travailler aussi avec les anges, j'aime beaucoup cette petite statue des anges, j'en ai deux comme ça. Donc on va travailler avec les ombres et la lumière, puisque je viens de vous le dire depuis 40 minutes que la vie est un équilibre et qu'il ne faut pas avoir peur d'assumer sa part d'ombre, au contraire, parce que plus vous allez en avoir peur, plus vous allez créer des frustrations et des tabous chez vous et qui vont vraiment vous bloquer et vous empêcher d'avancer sur plein de choses. Si vous avancez que dans la lumière, faites attention parce que la lumière peut rapidement devenir aveuglante. Imaginons que je vous pointe un projecteur en pleine tronche et que je vous demande d'avancer, très concrètement vous ne saurez pas où est-ce que vous avancez, peut-être que vous vous dirigez droit devant vers un gouffre. Voyez, donc attention à ne pas être trop dans l'un et trop dans l'autre. Si on est trop dans le noir, trop dans les ténèbres, bah forcément on ne voit pas non plus où est-ce qu'on avance. Et si on est trop dans la lumière, et bah c'est pareil, on finit par ne plus savoir où est-ce qu'on avance. Il faut être dans les deux, il faut savoir être timoré, c'est-à-dire que comme notre univers qui nous entoure, il faut évoluer à l'image de notre univers, c'est-à-dire que le cosmos, hein, il y a quand même 90 voire 95% de ténèbres, et ces ténèbres sont illuminées par des petites étoiles qui nous montrent le chemin vers un point A, vers un point B, etc. Et ben c'est le même principe, la lumière ne doit pas être prédominante, elle doit vraiment être là pour vous éclairer, pour vous guider et pour vous apporter une aide subsidiaire, hein. C'est comme lorsque vous êtes perdu dans le noir, et ben avoir une petite lampe torche ou même un briquet pour vous allumer, et ben ça suffit pour au moins voir où est-ce que vous mettez les pieds, et c'est tout ce qu'on a envie de savoir. On n'a pas forcément envie de savoir qu'est-ce qu'il y a à 500 km devant nous, non, on veut savoir ce qu'il y a là devant nous, devant nos pieds, hein. Donc utilisez la lumière avec parcimonie, avec cette alliance des ténèbres, hein. Il ne faut pas avoir peur de ça, je le dis, je le redis. On va se purifier aussi l'autel, chose que je faisais pas avant dans les vidéos, c'est vrai. Alors vous m'en avez jamais fait la réflexion, hein, mais à coup de pas, c'est surtout ma faute, surtout que je passe mon temps à vous dire qu'il faut faire des cercles, qu'il faut se protéger, qu'il faut se purifier, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, mais Jonathan il montre pas l'exemple. Donc je me suis dit que ce serait peut-être bien d'être cohérent entre ce que je vous dis et ce que je vous montre aussi en vidéo. Donc on va un petit peu aussi voilà, se purifier notre espace de travail, c'est très important de pouvoir un petit peu purifier, surtout, hein, comme je vous le dis souvent, quand on fait les cartes, on s'improvise pas, cartomancien, c'est un moment sacré, c'est un moment donné, donc on prend son temps, si vous êtes trop pressé, c'est pas la peine de vous lancer dans des grands tirages, et au contraire, c'est un moment aussi, hein, puisque je vous l'ai souvent dit, que les cartes avaient autant de risques qu'une Ouija, qu'une séance de spiritisme, qu'un rituel magique. Hein. À partir du moment où vous connectez les énergies, vous ouvrez des portes, peu importe. Vous pensez être en sécurité avec vos cartes, et ben que nenni, vous n'êtes pas plus en sécurité que quelqu'un qui va se retrouver dans le château de Fougeray, qui va faire une séance de spiritisme, qui va faire de la Ouija, qui va invoquer des démons, qui... Non, vous n'êtes pas plus en sécurité avec vos cartes, parce que vous connectez, et à partir du moment où vous
vous connecter, eh bien, c'est du très haut débit hein, dans l'astral, tout le monde spirituel. Ils sont à la fibre déjà depuis des millions d'années, fibre extrêmement rapide même. Donc à partir du moment où vous connectez, eh bien, les énergies sont là. Donc on prend du temps et on fait les choses correctement. Alors on va utiliser nos petites runes futard pour définir un petit peu l'énergie principale de la semaine à venir. On va utiliser l'oracle œil dans le noir, hein. De toute façon c'est tout promo œil dans le noir. Tous ces jeux, je vous rappelle que vous pouvez les trouver sur ma boutique MPC, vous avez le lien en barre d'infos, je vous montrerai, je ferai une vidéo aussi comment utiliser MPC, et puis voilà. Donc si vous êtes intéressé par l'un d'entre eux, vous allez sur la boutique, c'est tout expliqué, c'est tout facile, vous mettez Google Translate et ça va vous traduire automatiquement parce que le site est en anglais ou allemand, vous mettez le traducteur et ça va très bien. Donc on va utiliser l'œil dans le nord pour faire un petit peu nos énergies maîtresses. On viendra avec le carré fantabuleux pour venir détailler un petit peu des énergies plus précises. J'avais envie de travailler aussi, ah je l'ai pas pris, il est là. On travaillera l'aspect d'amour. Alors j'ai envie aussi d'appréhender l'amour sur une nouvelle façon de voir. C'est-à-dire que beaucoup de mes confrères et consoeurs travaillent le domaine amoureux, mais tout dans la lumière en fait. Et l'amour n'est pas que lumière non plus. L'amour, il peut y avoir des zones de sombre. Et c'est souvent ces zones de sombre qui sont les problèmes dus dans l'amour. Imaginons par exemple que vous ayez un problème de communication dans votre couple ou avec les autres, et bien c'est ça qui fait que il va y avoir des secrets entre vous, peut-être même de la tromperie, des trahisons, etc., etc. Donc j'avais envie de travailler avec vous l'aspect un petit peu plus sombre de l'amour pour vraiment essayer d'identifier des problèmes que vous pourriez voir et pas juste vous apporter des solutions, parce que très souvent ce que j'ai pu constater en fait dans les autres vidéos, c'est que la plupart, mais même moi hein, on fait tout ça sans s'en rendre compte, mais en fait on propose des solutions mais on ne cite pas les problèmes. Et ça serait bien en fait de citer le problème, parce que comme je vous l'ai dit, pour un médecin, avant qu'il puisse vous donner le bon médicament qui va venir soigner votre pathologie, il faut d'abord identifier cette pathologie. Il va pas vous prescrire du paracétamol pour soigner un cancer. Hein, voilà. Bah, c'est le même principe ici, c'est-à-dire que les maux dont vous souffrez, MAUX, bah, c'est pas en vous offrant des solutions génériques que ça va pouvoir vous parler en fait. Il faut essayer d'identifier des problèmes concrets pour ensuite mettre en place des solutions. Et solutions que normalement le cartomancien lui propose, parce que quand on se dit être coach spirituel, les conseils en fait sont pas dans les cartes, c'est la personne hein, qui doit faire une propre synthèse de son travail pour ensuite vous proposer des solutions par rapport aux problèmes qui sont sortis. Voilà, c'est là aussi j'en profite pour remettre un peu les pendules à l'heure, parce que je vous dis là depuis quelques temps je vois des choses qui sont tellement aberrantes, qui me saoulent, mais au plus haut point que je ne supporte plus ce type de pratique. Et j'en ai marre de voir des coachs toutes les deux minutes qui s'improvisent coach et compagnie, qui ont aucune légitimité, ça m'énerve. Il y a des trucs maintenant, ça m'énerve, je ne supporte plus et j'ai envie de le dire. Donc on y va, on se prendra aussi le rond de cristal pour se faire des petites prédictions, comme d'habitude. Et du coup, on se prendra l'oracle de la vision interdite et le veilleur pour travailler un petit peu toute la partie sombre de l'amour. Vous verrez, ne commencez pas à paniquer, ça devrait vous plaire, enfin j'espère en tout cas. Allez, je vais faire un petit peu de place d'abord et on va commencer tout d'abord par notre rune de la semaine. Alors, je ferme les yeux, je ne regarde point puisque j'ai pris les runes versatiles. Je vais les retourner. Allez, je coupe le paquet. Et ça sera celle-ci qui est d'Agaz, qui nous parle d'une solution trouvée à un problème. Bah voyez, faites exprès, je venais de vous en parler en plus de solutions trouvées au problème. Donc pour moi, ça voudrait dire que cette semaine, vous allez mettre en place ou vous allez trouver enfin la solution pour un problème. Ça peut être un problème divers, hein. On peut parler ici de relations professionnelles, de relations amoureuses, une problématique financière, une problématique de logement, une problématique sociale, une problématique de santé. Bref, ici, il y a une solution qui va être trouvée, qui va être apportée pour résoudre un problème ou une situation qui est conflictuelle ou problématique depuis quelque temps.
Donc on part quand même sur quelque chose de positif déjà les amis, hein, on est sur de bonnes énergies là. Mais je le sens, enfin je sais pas si vous le sentez vous de votre côté, peut-être que c'est dû à notre la pleine lune là qui a été il y a quelques jours, qui a apporté certaines bonnes énergies. Il se peut aussi qu'il y ait l'Ita, hein, les énergies de l'Ita, puisqu'on est dans des énergies solaires, des énergies lumineuses, donc des énergies entre guillemets positives, même si comme je vous l'ai dit, les énergies lumineuses ne sont pas toutes positives. Mais il se peut que je ne sois pas le seul, et je crois ne pas être le seul, puisque vous m'avez fait plusieurs retours aussi, que certains vivaient en ce moment des choses un peu particulières, et eux aussi passaient par une phase un peu d'éveil spirituel. Alors la cage, ah regardez la coupe ça effectivement c'est positif les amis, puisqu'on nous parle ici de fêter quelque chose, et si on fête quelque chose, bah c'est que forcément il y a une bonne nouvelle derrière, hein. On fête pas les choses, ah cool j'ai reçu une facture, je dois encore payer 400 balles, je suis trop content, on va fêter ça au restaurant. On est d'accord. En principe, on fête les bonnes choses. Donc ici, la cage, pour moi, ça me parlerait d'une libération. D'une libération faite exprès parce que justement il y a la coupe derrière. Donc je pense que vous êtes plus ou moins prisonnier d'une certaine situation. Alors ça peut être aussi peut-être une relation dans laquelle vous êtes prisonnier. Peut-être que vous êtes tributaire de quelque chose. Ou alors peut-être aussi que vous vivez une sorte de relation. Alors ça peut être une relation avec un ami, un ou une amie, avec un membre de la famille, ou une relation amoureuse, mais une relation amoureuse qui... Alors, dans le fond, elle n'est pas forcément négative, mais en fin de compte, elle n'est pas forcément positive non plus, parce que vous réalisez que vous êtes enfermé, que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous avez envie de faire. Peut-être que vous-même aussi, vous êtes un peu dans mon cas de figure, à savoir que vous vous sentez comme enfermé dans un moule, comme prisonnier de certaines habitudes, et que vous avez peur de changer parce que l'extérieur fait peur. C'est vrai qu'une cage, il y a ce côté rassurant de se dire, bah, c'est comme quand on est confiné chez nous, on a cet aspect rassurant de se dire, cool, on n'est pas exposé au virus, on voit personne, on peut pas m'agresser, machin et tout. Oui, il y a ce côté rassurant, mais rapidement, en fait, le fait d'être enfermé aussi peut faire peur. Hein. Je pense que certains le vivent en ce moment avec le déconfinement, on a un peu peur quand même de ressortir, on a très envie de ressortir et en même temps on a peur aussi de ressortir, hein. On a cette peur que notre charmante société a bien cultivé quand même pendant de très longs mois, faut dire ce qu'elle a aussi, mais donc ici ça pourrait évoquer une forme de liberté et en même temps de peur, mais pour moi quand même je ressens plus quelque chose de positif dans le sens où cette semaine vous pourriez, je pense que la rune ici c'est vraiment lié. Vous allez enfin trouver la solution qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose, soit d'une relation, soit d'une situation. Peut-être que cette semaine, vous allez trouver enfin un travail, du coup, ça va vous sortir de la situation de précarité dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous allez aussi avoir une promotion, peut-être que vous allez trouver enfin le logement qui va vous permettre de vous débarrasser de votre maison actuelle ou je ne sais quoi, ou alors ça peut être un crédit qui va enfin être solvé et qui, pareil, va vous libérer d'un poids, d'une charge financière. Ben, vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir des cas qui sont très multiples, mais pour moi, il y a vraiment un aspect ici de libération et quelque chose dont vous allez pouvoir enfin vous défaire et une emprise, j'ai le mot emprise qui m'est venu. Emprise. Alors peut-être est-ce qu'on parle d'un pervers narcissique, de quelqu'un qui manipule les esprits, quelqu'un peut-être quelqu'un qui vous a placé sous son joug, hein, sous sa coupe comme ça. Peut-être aussi, mais dans tous les cas, pour moi, il y a vraiment cette forme de libération, de liberté qui va s'offrir à vous parce qu'il y a une solution qui va être trouvée. Donc pour moi ici, il y a une bonne nouvelle. Au-delà de la bonne nouvelle, pour moi, quand on parle de libération, c'est vraiment pas anodin que je vous employais le mot libération, parce que regardez la carte principale, c'est la carte de la route, qui pour moi, du coup, m'évoque vraiment un nouveau chemin qui est en train de s'offrir à vous, qui va s'ouvrir à vous. Peut-être que c'est vous qui allez prendre la décision de sortir de votre propre cage, hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une sorte de cage dorée et c'est peut-être vous qui allez enfin prendre la décision de sortir de votre cage. Peut-être que la clé est dans la cage et qu'il vous suffit juste de la ramasser, de la mettre dans la serrure et de pousser la porte et de vous en aller tout simplement, hein, peut-être. Mais pour moi, il y a ici un aspect de renouveau et d'une nouvelle voie, quelque chose de nouveau qui va commencer. Donc au-delà de la solution qui va être trouvée, je pense que c'est une solution qui va vraiment vous offrir des possibilités et quelque chose de nouveau, un nouveau départ peut-être. Peut-être que c'est le divorce qui va être prononcé, du coup vous êtes enfin libre de pouvoir démarrer une nouvelle route. Peut-être que c'est une nouvelle maison qui vous attend, donc oui, un déménagement, peut-être loin, peut-être que vous allez partir très loin, hein, peut-être que vous avez prévu
de tout lâcher là où vous êtes et de partir extrêmement loin, voire même pourquoi pas de changer de pays, je sais pas, changer de culture, changer de tout, pourquoi pas. Mais ici, il y a vraiment un aspect de nouvelle voie, de nouvelle route qui s'offre à vous. Donc n'ayez pas peur d'y aller. Sur cette route, la double porte, ici, pour moi, je vois de multiples opportunités. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, c'est une situation qui vous handicape dans le sens où vous ne pouvez pas, à l'heure actuelle, enfin vous ne pouviez pas, en tout cas, vous ne pouviez pas avoir accès à d'autres choses puisque vous, justement, vous étiez enfermé. Et donc, du coup, les possibilités ne se manifestaient pas à vous. Mais le fait de vous libérer de ça, les possibilités vont de nouveau pouvoir se proposer à vous. La double porte, c'est pas pour rien que j'ai appelé cette carte la double porte, hein. C'est pas juste une, c'est deux, c'est une double porte. Donc ce qui veut dire beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses, beaucoup de possibilités. Et ça peut être aussi des portes qui s'ouvrent comme ça en grand pour vous. Peut-être qu'on va vous faire une offre cette semaine, ou une proposition, ou peut-être une opportunité qui va se présenter à vous, qui est beaucoup trop belle pour la refuser, puisque là, hein, essayez de visualiser comme ça une double porte d'un grand hôtel prestigieux, vous avez le groom comme ça qui vous ouvre la porte pour vous accueillir comme si vous étiez une star. Ben voilà, imaginez une opportunité qui soit dans ce sens-là, vraiment quelque chose qui soit waouh, que vous ne pouvez décemment pas refuser. Et en plus, on a la carte du bouclier derrière qui nous indique ici qu'il y a une forme de protection, dans le sens où ce qui va vous arriver cette semaine, soit c'est quelque chose que vous avez demandé, qui va vous être donné, peut-être que vous avez fait un appel à vos guides, à Dieu, à je ne sais qui, tout ce que vous voulez, et peut-être que le destin vous a... enfin... j'allais dire enfin, c'est un lapsus, il faut que je vous le dise, si ce mot devait sortir, il faut que je vous le dise, peut-être que le destin vous a enfin entendu, la vie vous a enfin entendu, on va enfin vous répondre pour enfin vous offrir quelque chose que vous méritez, quelque chose qui est en lien avec ce que vous avez mis en place pour vous en sortir. Peut-être que vous-même êtes dans un processus pour vous sortir de quelque chose, eh bien vous allez être récompensé, vous voyez, ça peut être aussi une forme de récompense. Mais ça peut aussi vouloir dire ici que ce qui s'offre à vous, même si vous n'avez pas de recul dessus, imaginons que cette semaine vous commenciez un nouveau travail ou qu'on vous propose de partir loin, vous avez envie de déménager et sur un coup de tête, voilà, vous partez en Australie. Vous ne parlez pas anglais, vous ne savez pas comment ça se passe en Australie, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez personne là-bas, mais vous vous sentez appelé, vous avez besoin de partir et vous avez très peur en même temps. Eh bien, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que si les choses se font, c'est qu'elles devaient se faire. Donc, n'ayez pas peur. Et si l'opportunité s'offre à vous, si cette porte, elle s'ouvre pour vous, eh bien, c'est que vous êtes guidé, c'est qu'il y a quelque chose ici qui vous protège, qui vous dit, oui, tu peux y aller, c'est safe, t'es en sécurité, tu risques rien, tu peux y aller. Si cette voie, c'est ouverte à toi, c'est que tu peux y aller, c'est en sécurité, tu seras en sécurité. Allez, on va voir avec le carré fantabuleux et on a l'onde ici, l'onde qui nous dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc j'ai ici une notion de ne pas renoncer. Il est possible peut-être ici qu'on nous parle de quelque chose, peut-être que vous n'attendiez plus ou alors que vous espériez mais vous n'aviez plus de nouvelles de cette chose-là et vous pourriez de nouveau avoir des nouvelles du coup de ça, soit de cette personne, de cette situation. Ça peut être une réponse aussi, une réponse que vous attendiez depuis un long moment et que vous n'attendiez plus, et bien peut-être que c'est cette réponse qui va enfin arriver. Il y a vraiment ici une forme d'espoir. Ah, regardez, on a la carte noire justement. Alors la carte noire, ça colle bien avec la route, puisque effectivement, comme je vous l'ai dit, avec l'ambivalence lumière et ombre, quand on avance dans l'ombre, on ne sait pas où on avance, hein, si on est trop dans les ténèbres, c'est-à-dire que si vous êtes trop dans l'anxiété, si vous êtes trop dans la peur, si vous êtes trop dans le raisonnement pragmatique, à vous dire, oui mais là-bas je connais personne, oui mais est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que dans 6 mois, et si je me plante, et si vous arrêtiez un petit peu d'être négatif, si vous
arrêtiez au contraire de vous poser toutes ces questions qui ne servent strictement à rien, de vous faire des scénarios pas possibles qui n'arriveront potentiellement pas. Non, ça sert à rien. C'est si cette semaine vous avez cette opportunité qui s'offre à vous, ne vous posez pas de questions de savoir est-ce que vous devez. Faites le point barre, c'est tout. C'est un ordre. Non, mais voilà, il y a un moment, il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter de se poser plein de questions parce que c'est ça qui nous empêche d'avancer. C'est qu'on est toujours en train de se poser des questions. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je devrais? Et si je me plante? Et dans 6 mois? Et dans 1 an? Et machin? Et au final, eh ben, on a tellement peur que ce qu'on pense, ce qu'on est en train de raisonner puisse arriver, eh ben, qu'au final, on ne le fait pas parce qu'on se dit que bah, de toute façon, ça marchera pas. Donc pourquoi je me lancerai dans un truc qui marchera pas? Mais non, vous le savez même pas si ça va pas marcher. Pour savoir, il faut le faire, il faut tenter, il faut essayer. Donc faites-le, allez-y, tout simplement. Donc oui, aujourd'hui, peut-être que vous avancez dans le noir, vous avancez dans quelque chose dans lequel vous n'avez absolument pas d'expérience, pas de connaissances, pas de savoir, pas de recul, pas d'expérience, et ben c'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez pas où est-ce que vous allez, c'est pas grave, avancez, il faut toujours avancer. Hein. C'est le principe d'une route d'ailleurs, une route, regardez surtout celle-ci, elle est droite, hein. Enfin elle est droite. Bon, il y a des virages, hein. Donc on nous annonce ici que ce sera pas forcément tout repos le voyage, mais il n'y a pas de bifurcation, donc vous êtes obligé d'avancer. Hein, voilà. Et ben c'est le même principe, dans le noir, vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot, il faut avancer. Donc avancer tout simplement. Nous allons avoir la flèche du retour. Donc effectivement, quand je vous disais qu'il pourrait y avoir un lien avec le passé, ça pourrait être fort probable. Hein. Soit ça peut nous parler ici d'une personne qui va revenir. Alors oui. Oui, peut-être. Ah non. Non, c'est pas vraiment comme ça que je le ressens. Je sais pas pourquoi, je pense surtout à un truc professionnel. C'est-à-dire peut-être que vous avez été en contact ou en lien avec quelqu'un. Avec qui vous avez passé un entretien, ou alors vous attendiez une réponse depuis pas mal de mois. Je sais pas pourquoi, mais je pense quelque chose en lien avec le professionnel. Mais ça peut aussi être personnel, hein. Ça pourrait nous parler éventuellement de quelqu'un avec qui vous aviez contact, et puis peut-être qu'il va revenir, ou mais non, je le ressens pas comme ça. Moi, je ressens vraiment un truc en lien avec le professionnel, quelque chose que vous attendiez depuis un moment, et qui va enfin se produire. Ça pourrait aussi nous parler de quelque chose que vous auriez vécu auparavant et peut-être qu'il va se représenter. Mais c'est pas parce que vous l'avez vécu comme ceci une première fois que forcément la deuxième fois sera pareil. Hein. Au contraire, ça peut être une nouvelle opportunité de la part de la vie pour faire les choses différemment. Hein, vous voyez ? Donc ça pourrait nous parler d'un retour, quelque chose en lien avec le passé. Ensuite, nous avons les lèvres qui nous parlent ici, bien sûr, d'oral, hein, de peut-être des discussions, des choses qui vont se dire, des pourparlers. Ça pourrait nous parler éventuellement d'entretien. Vous voyez, je vous parlais de professionnel, du coup, ça peut se tenir. Parce que ça pourrait nous parler d'entretien, ça pourrait nous parler de discussion, de comment qu'on appelle ça, pas de diplomatie, de trouver un terrain d'entente, de concilier, je trouve pas le mot que je veux exactement, de médiation, voilà. Ça pourrait nous parler d'une forme de médiation. Justement, peut-être que le fait de parler vous aidera à trouver certaines solutions. Si vous êtes perdu, si peut-être que dans votre entourage ou autour de vous, peut-être qu'il y a des personnes qui pourront vous conseiller, qui pourront vous rassurer, qui pourront vous parler par expérience parce qu'ils ont déjà vécu ce genre de choses et qui pourront vraiment vous conseiller et vous apporter une aide particulière pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Ensuite, bah oui, forcément, on a la menace dans l'ombre. Hein. Quand on avance, y a toujours des menaces. Hein. Quand on se lance dans quelque chose de nouveau, on est toujours soumis à des menaces potentielles. Mais comme je vous l'ai dit, on risque tous quand on se lance dans quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau travail, n'importe quoi, une nouvelle aventure, hein, en règle générale dans la vie. Quand on se lance dans quelque chose de nouveau, oui, il y a des risques potentiels, il y a des risques que vous ouvrez votre entreprise, bah, il y a des risques pour que dans 6 mois, vous la fermiez. Vous achetez une nouvelle maison, oui, bah, il y a un risque que vous perdiez votre travail, que vous puissiez plus payer le crédit et que vous perdiez la maison. Oui, il y a un risque que vous tombez enceinte de perdre le bébé. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a des risques pour tout. Mais si on part du principe que parce qu'il y a un risque, du coup, je ne le fais pas, ben non, c'est dommage, parce que c'est pas parce qu'il y a un risque que ça va fatalement vous arriver. Non, ça peut arriver, mais ça veut pas dire que ça va vous arriver. Hein. Et la bombe ici représente vraiment ce risque, cette peur dans le noir, cette peur complètement incontrôlable, que vous vous dites, oui, ça peut, ben non, ça peut, oui, ça peut, mais ça veut pas dire que ça va vous arriver. Donc cessez de vous effrayer pour rien.
On a ici la lune. La lune qui pourrait nous parler de plein de choses, qui pourrait nous parler de secrets, de révélations, de liens, de choses en lien avec... Je ressens une énergie féminine, mais qui serait assez spirituelle, peut-être une maman ou une grand-mère, quelqu'un qui est de bons conseils, une femme, une matriarche avec de l'expérience, quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui sait de quoi elle parle exactement. Une femme peut-être avec un titre aussi honorifique. Alors quand je dis un titre honorifique, ça veut tout dire et rien dire, mais ça peut être... je sais pas, moi par exemple, vous posez des questions sur votre spiritualité, et là, boum, vous allez rencontrer une sœur avec qui vous allez discuter. Enfin, vous voyez, ce type de titre honorifique, donc ça peut être une sœur, mais ça peut être aussi... une femme d'expérience, une femme mûre, une femme qui serait par exemple assistante sociale, psychologue, psychiatre, psychothérapeute, peu importe. Mais au-delà de la profession, je vois une femme vraiment légitime dans sa pratique, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment honnête avec les autres, qui est honnête avec elle-même et qui pourrait vraiment vous apporter un conseil, qui pourrait vraiment vous apporter quelque chose. Parce que regardez quand même, on a beaucoup de choses en lien avec le noir. Puisque la lune, elle a toujours une face cachée, elle a toujours quelque chose que l'on ne sait pas, et ça colle encore une fois avec le noir, hein. Tout est relié avec le noir. Regardez un petit peu en plus la bombe, comme une flèche, elle pointe le noir, la flèche du retour pointe le noir, la lune, les deux croissants, les deux pics pointent le noir, donc tout se rejoint sur cet aspect un petit peu sombre de quelque chose peut-être que vous ne savez pas. Ça pourrait nous parler d'une forme de révélation. Moi qui vous parlais d'éveil spirituel, donc ça pourrait nous parler peut-être d'un éveil spirituel, ça pourrait nous parler d'une révélation, ça pourrait nous parler d'un secret, ça pourrait nous parler d'une vérité, ça pourrait nous parler de plein de choses, mais il y a vraiment ici un aspect sombre, quelque chose que l'on ne sait pas, quelque chose auquel on n'a pas accès. C'est drôle, c'est vraiment drôle. Et je choisis pas mes cartes, hein, je précise. Quelque chose auquel on n'a pas encore accès, et je dis bien pas encore, peut-être qu'il est bloqué, hein, parce que regardez en plus en parallèle, on a la cage, donc ici on a quelque chose qui est bloqué, et ça va bien avec l'onde, quand je vous disais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est pas parce que vous n'y avez pas accès tout de suite, c'est pas parce que c'est bloqué pour l'instant que c'est la fatalité, ça y est, c'est fini. Non. Pour moi, je pense que si vous n'avez pas encore accès à quelque chose, c'est pour une bonne raison. Il y a probablement ici quelque chose que vous devez faire, quelque chose que vous devez identifier, que vous devez mettre en lumière, quelque chose qui doit être révélé pour vous aider enfin à y voir plus clair et à vous fournir peut-être les bons outils, même pour vous permettre d'avancer. Hop. Bon, vous l'avez compris, effectivement, donc pour moi, on a vraiment la clé en fait qui est cachée dans le noir, c'est-à-dire que les outils, les solutions, elles sont là, elles sont autour de vous, mais je pense que soit c'est pas accessible parce que vous n'y voyez rien, peut-être qu'il y a plein de choses en fait qui sont occultées. Il est probable, hein, il est fort probable en fait que les solutions soient déjà tout autour de vous, mais comme vous êtes dans une phase actuelle où vous ne voyez plus rien, où vous n'arrivez plus à rien voir ni à percevoir, eh bien par conséquent, vous ne voyez pas les choses qui sont juste sous votre nez. Et effectivement, si je vous enferme dans une pièce dans le noir, une pièce fermée à clé, si je vous mets la clé à votre pied, bah, y a de fortes chances pour que vous ne trouviez jamais la clé alors que vous avez juste à vous baisser pour la ramasser, hein. Ben voilà, pour moi, je pense qu'on est vraiment sur ce principe-là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, la solution est à votre portée de main, elle est même sous votre nez. Mais comme en ce moment, vous êtes dans cette phase... Alors, soit vous occultez certaines choses volontairement, soit on vous occulte des choses, qui voudrait dire qu'on vous ment aussi, soit au contraire, vous êtes dans une phase où vous vous sentez comme perdu dans votre vie à l'heure actuelle, et par conséquent, vous n'êtes plus apte à pouvoir voir les choses alors que les solutions sont juste en face de vous. Nous avons la balance. Balance qui pour moi ici ne me parle pas du tout de justice, mais alors absolument pas. Au contraire, pour moi la balance me parle vraiment d'équilibre. Et je pense que le problème qui pourrait se jouer dans votre vie à l'heure actuelle pourrait venir d'un déséquilibre. Alors soit c'est un déséquilibre émotionnel, mental, spirituel, tout ce que vous voulez, soit vous n'êtes plus en phase avec qui vous êtes réellement et ce que vous faites. Peut-être que vous allez vous rendre compte, alors je sais pas, hein, là je parle de façon générale, mais peut-être que vous allez vous rendre compte que ce que vous faites à l'heure actuelle, vous êtes dans le faux et qu'il faudrait au contraire revenir à
à cette forme de réalité, à cette sincérité, refaire corps avec vraiment vos valeurs, avec qui vous êtes réellement, et arrêter de jouer les personnes que vous n'êtes pas, peut-être. Alors attention, ça peut être positif comme négatif, c'est-à-dire que quelqu'un peut-être qui se force à être comme ça parce que dans le travail, il faut être comme ceci, il faut être comme cela, et vous n'êtes pas cette personne-là. Ou alors ça peut être en société, ça peut être dans la vie de tous les jours, vous affichez votre plus beau sourire alors que vous avez qu'une envie, c'est de pleurer et de hurler votre peine, vous n'avez pas du tout envie de sourire, mais parce que ça fait bien de présenter un sourire, parce que tout le monde s'en fout de savoir que vous n'allez pas bien en fait, et que ça changera rien de le dire, hein. Donc on affiche un joli sourire. Voilà, donc ça peut être ça, arrêtez d'être qui vous n'êtes pas. Et ça pourrait être aussi l'inverse, c'est-à-dire que peut-être que une personne, ça peut, je pense qu'on on en connaît tous, une personne qui se prétend être quelqu'un de bien, mais qui n'est pas forcément en phase avec ce qu'elle fait, et du coup peut-être qu'avoir un déclic de se dire non, ben non, je suis comme ça, je vais l'assumer, et puis voilà. Mais voilà, pour moi ici, il y a vraiment un aspect d'équilibre. Donc je pense que dans votre vie à l'heure actuelle, il y a un déséquilibre qui s'est fait quelque part. Il y a un déséquilibre qui n'est toujours pas réglé. Donc ça peut être un déséquilibre par rapport à la famille, par rapport à la profession, par rapport à l'amour, par rapport à plein de choses dans votre tête. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Peut-être que vous pensez différemment des actions que vous faites. Hein, c'est-à-dire que ce que vous faites ne colle pas avec ce que vous pensez, ou alors l'inverse, ou vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Ou ça peut être aussi dans votre pratique spirituelle qui a un déséquilibre. Et je vous le disais, si vous êtes trop dans la lumière, eh ben ça va pas. Si vous êtes trop dans les ténèbres, ça va pas. Il faut vraiment comme ça être entre les deux et travailler avec les deux. Et ici on finit avec le cercueil qui nous parle justement de fin, de terminer quelque chose. Et c'est drôle parce qu'en plus, si le cercueil il se met sous la flèche du retour. Donc pour moi, il y a un aspect ici de si vous voulez revivre, il faut que vous mouriez. Alors attention à ce que je suis en train de vous dire, je suis pas en train de vous dire d'aller vous suicider. Quand ça vient d'accord. Non, non, non. Quand je parle de mort, c'est une mort métaphorique. Hein. Ça peut être une mort spirituelle. Peut-être que vous avez besoin d'un reboot dans votre vie. Un gros reboot. Mais surtout. Voilà, vraiment tout. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui va. Le couple, ça va pas. Les finances, ça va pas. Il n'y a plus absolument rien qui va. Tout vous agace. Et ben parfois, la solution, c'est de faire un reboot, de tout effacer et de repartir intégralement à zéro. Parfois, ça peut être la solution. Quand il y a trop de choses, quand il vaut mieux tout détruire, on nettoie tout, on enlève tout et on recommence au propre. Voilà. Et bien peut-être que c'est ça dont vous avez besoin dans votre vie. Peut-être qu'il y a trop de merdier, peut-être qu'il y a trop de choses qui font que tout ne peut plus avoir une solution, que vous ne savez plus où les trouver. Et bien, repartez de zéro, complètement. Peut-être que c'est vraiment la solution qu'il vous faut. Et on nous parle aussi d'une mort. Alors, pour ceux qui seraient dans une phase d'éveil spirituel aussi, du coup, je vais vous donner un conseil, c'est déjà pareil. Effacez, en fait, si vous posez des questions, effacez toutes vos questions. Parce que plus vous allez vous poser de questions, plus vous allez générer de nouvelles questions, et moins vous allez trouver de réponses, et moins vous allez avancer. Donc, le mieux, c'est d'effacer toutes vos questions. Et tout simplement laissez parler qui vous êtes. Exprimez-vous, mais vraiment exprimez votre vraie nature, votre vraie identité. Arrêtez de vouloir être comme ceci parce que c'est politiquement correct, parce que ceci, parce que cela. Non, arrêtez, ne vivez pas pour les gens, vivez pour vous-même et soyez vous-même. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas. On s'en contrefout, c'est votre vie et personne n'a à décider comment vous devez la diriger, comment vous devez être. Donc soyez vous-même. Même. Et je pense qu'ici il y a vraiment une phase à la fois de recherche mais aussi des solutions. Hein. Je trouve on est sur quelque chose qui est très fort cette semaine. Peut-être pas que cette semaine, peut-être que c'est un processus dans lequel on est en train de s'avancer avec les énergies. Et peut-être que ce que je vis moi, c'est peut-être pas forcément que personnel, hein. Vous êtes peut-être plusieurs à le vivre aussi. Ce qui voudrait dire qu'il y a une certaine forme d'énergie qui nous fait vivre ça. Donc autant en profiter. Pour surfer sur la vague. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir en même temps. On va d'abord peut-être se faire des petites prédictions avec le rond de cristal. On se fera la partie guidance, amour, là, juste après. Je vous ferai les pièces de fortune aussi. Je ferai les pièces de fortune. On se fera... Allez, on va se faire les petites runes sorcières avec les baguettes chinoises. Je sais que vous aimez bien. Et puis, à la fin, on se fera l'astrochance, comme d'habitude. Allez, on va s'en prendre trois. On a un homme.
Bah écoutez, c'est bien, ravi de le savoir. Donc cette semaine, on aura un lien avec un homme. On aura un gros coup de chance qui va se présenter à nous et nous aurons des petites difficultés financières. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, les petites difficultés financières, c'est pas forcément très très grave, hein. Ça pourrait évoquer une petite facture, une petite contrainte, un petit contretemps, une petite dépense qui n'était pas forcément prévue. Mais j'ai envie de dire, là, j'y vois pas forcément négatif, les petites difficultés financières, parce qu'il se peut que ce soit dû à ce petit coup de chance. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir un lien avec un homme qui va vous proposer, en plus, je vous l'ai dit, nouvelles opportunités, des solutions à apporter, etc., etc. Donc peut-être que cette solution va vous être apportée ou proposée par un homme. Cet homme est un coup de chance, c'est-à-dire que soit c'est un coup de chance qui vous a envoyé cet homme, soit c'est cet homme qui va vous offrir une chance, mais peut-être que vous allez devoir investir dans quelque chose pour réaliser cette opportunité. Je m'explique. Imaginons qu'il vous propose de devenir, je sais pas moi, son partenaire sur un projet particulier, par exemple. Mais que pour mener à bien ce projet, il faut donner sa personne, soit de l'énergie, soit du temps, soit les deux, soit un petit peu d'argent. Je sais pas moi, imaginons que votre meilleur ami vous propose, vous dise, tiens, j'ai envie de réaliser, on va ouvrir une boutique Etsy et on va vendre dessus des dreamcatchers qu'on fera nous-mêmes, des bougies, des machins, des voilà. Mais pour faire tout ça, bah, il faut acheter la matière première, vous voyez. Donc effectivement, c'est un coup de chance parce que ça peut être quelque chose qui peut fonctionner, mais peut-être qu'il faudra un petit peu dépenser des sous pour pouvoir bah, au moins acheter les matières premières, voyez? Donc pour moi ici, les petites difficultés financières, je les vois pas comme quelque chose de négatif, mais je les vois plus comme une sorte de placement qui pourrait peut-être vous rapporter après. Donc si vous êtes amené à dépenser, dépensez intelligemment et il est possible que vous ayez ensuite un retour sur investissement. Allez, maintenant on va passer à notre guidance en amour, donc on va commencer par nos amis célibataires. Allez, on va s'en prendre deux, et là je propose de travailler deux problématiques, deux peurs. Voilà, alors la première, ça sera de remonter la clé, c'est drôle. C'est vraiment drôle parce qu'on a eu la clé qui est sortie tout à l'heure dans le tirage. Au plus bas, vous ne pourrez que remonter. Regardez, je vous montre la carte qui est plus qu'explicite. Puisque effectivement, là pour le coup, si mes amis célibataires, pour vous qui êtes seuls, et là vous dites, ça fait des années que je suis seul, il n'y a plus aucun risque que je rencontre quelqu'un, blablabla, etc. Eh ben si, vous pouvez rencontrer encore, mais aussi il faut le vouloir. Pour moi ici, remonter la clé, il y a cette action de faire quelque chose, hein. Les choses ne viennent pas naturellement. Si effectivement vous restez en pyjama toute la sainte journée dans votre canapé chez vous à ne pas sortir, ben, il y a quand même peu de chances pour que vous rencontriez quelqu'un, hein, à part le facteur avec qui à la rigueur vous pourriez. Mais là, ce sera un gros coup de chance quand même. Mais concrètement, il n'y a personne qui va venir toquer à votre porte, à un inconnu, une inconnue. Hey, ça te dit, je t'invite à boire un verre. Non, ça se passe pas comme ça. Donc il y a ce principe de remonter, de faire quelque chose, d'activer quelque chose. Si vous voulez que la machine puisse se mettre en route, il faut quand même donner un petit coup de pouce, hein, pour la boîte à musique. Si vous voulez qu'elle joue de la musique, ben, il faut fournir l'effort de remonter la clé. Et ensuite, oui, la boîte à musique, elle joue sa musique toute seule, mais il faut faire un effort. Donc là, on vous indique, mes amis célibataires, que vous avez un petit effort à fournir, qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez pour sortir de votre condition actuelle. Et on nous parle de braver sa peur, maîtriser votre peur en vous y confrontant. Qu'est-ce qui vous fait peur exactement, les amis? Pourquoi vous avez peur? Est-ce que vous êtes célibataire par peur de quelque chose? Ça peut être, pourquoi pas, une sorte de traumatisme par rapport à votre ex-relation qui s'est mal passée. Peut-être que vous êtes en période de deuil, vous avez peut-être perdu votre mari ou votre épouse, vous n'arrivez pas à vous en remettre, etc., etc. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui vous effraie. Est-ce que vous avez peur de l'autre? Est-ce que vous avez peur de souffrir? Est-ce que vous avez peur d'aimer? Est-ce que vous avez peur d'ouvrir votre cœur? Est-ce que vous avez peur d'être déçu? Vous voyez, il y a plein de questions que vous pourriez vous poser, mais posez-vous la bonne question. De quoi ai-je peur? Je suis célibataire aujourd'hui. Est-ce que c'est
de ma faute, parce qu'il ne faut pas avoir peur aussi de se poser cette question-là, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'ai tout mis en place pour rencontrer quelqu'un? C'est-à-dire, je ne me supportais plus physiquement, je me suis fait faire un petit relooking, machin et tout, je me sens mieux dans ma peau, j'ai même fait un petit régime, mais ça je l'ai fait pour moi parce que j'en avais besoin pour ma santé, etc., etc. Ce qui fait que dans mon corps, je me sens bien. Ensuite, je suis sorti quand même plein de fois, enfin quand je le pouvais avant les confinements, je suis sorti plein de fois, je suis inscrit sur des sites de rencontres. Je suis quelqu'un qui a la chat, qui est social, machin et tout, et pourtant je rencontre personne. Bah là, oui, vous pouvez vous dire qu'effectivement, vous avez quand même tout mis en place pour faire des rencontres, et si ça se fait pas, c'est que la vie, ça ne doit pas encore se faire, tout simplement. Par contre, si dans votre raisonnement vous dites oui, alors effectivement, je prends pas vraiment soin de moi, j'ai pas confiance en moi, je parle à personne, je sors pas, je suis un vrai ours, j'aime pas les gens, j'aime pas parler, ouais, bah oui, bah, alors là, effectivement, peut-être que vous pouvez vous poser la question, vous avez peut-être une petite part de responsabilité dans votre célibat. Mais il peut y avoir aussi d'autres personnes qui sont dans ce cas de célibat parce qu'elles ont beaucoup souffert et qu'elles ne veulent pas ressouffrir, parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup trop aimé et qui ont peur de réaimer à nouveau. Si par exemple vous avez perdu votre ex-partenaire d'une maladie, d'un accident, n'importe quoi, bah du coup vous avez cette peur-là d'aimer quelqu'un et puis de la perdre de nouveau, que la vie vous l'arrache. Vous voyez, donc il faut en fait vous poser la bonne question pour savoir comment résoudre cette problématique du célibat. Donc les amis, je vous invite cette semaine à travailler sur cette conception de la peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Dans votre célibat, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui peut être un frein? Qu'est-ce qui est un problème exactement à cette solitude, à ce célibat? Allez, un petit message du veilleur quand même pour nous réconforter. On nous dit d'être égoïste. L'altruisme s'arrête lorsque tu oublies de te sauver. Et là, les amis, donc du coup, pour vous, mes amis célibataires, on vous dit de penser un petit peu plus à votre... j'allais être grossier. À votre tête. Pensez d'abord un petit peu plus à vous. Arrêtez d'être trop dans le don. Peut-être que vos différentes expériences se sont soldées par des échecs parce que peut-être que vous êtes trop dans l'extrême à donner. Donner de l'amour, donner du temps, donner de l'énergie, tout mettre en place, etc. Et vous avez peu, voire pas de retour. Eh bien, arrêtez ça. Arrêtez ça, pensez à vous. Et c'est aussi pour ça que je vous invite à faire ce travail de questionnement, à vous dire qu'est-ce qui fait que dans mon célibat c'est comme ça? Parce que comme ça va vous imposer de prendre du temps pour vous et du temps que vous ne pouvez pas consacrer justement pour les autres. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider si vous êtes dans cette démarche de moi d'abord, je pense à moi, j'ai ça qui bloque, j'ai ça comme nœud émotionnel, je travaille sur ce problème-là et ensuite quand ça sera dénoué, je pourrai me consacrer à l'autre. Voilà donc pour vous, mes amis célibataires. Allez, on passe maintenant à nos amis les couples. Alors, pour vous, nos amis couples. Ah, regardez, 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 regardez les amis, on a des jolies choses. Nous avons demandé de l'aide. Vous avez besoin de soutien, demandez-le. Et oui, les amis, pour vous qui êtes en couple, n'ayez pas peur de demander de l'aide à votre partenaire. Il ou elle est fait pour ça. Alors, il n'est pas fait que pour ça. Mais votre partenaire, effectivement, c'est un soutien, c'est une aide à la fois psychologique, physique, financière, sur tous les points. Il faut que votre partenaire soit votre confident, soit votre meilleur ami, soit votre meilleur allié. Ce n'est pas votre ennemi, ce n'est pas la personne qui est là pour déverser votre colère ou pour subir ou non. Il n'y a pas de rapport dominateur, soumis, compagnie. Non, non, non. Dans un couple, on est sur une parfaite égalité et il faut que ce soit réciproque et mutuel. Donc si vous avez besoin d'une aide sur quelque chose, ça peut être plein de choses, hein. Mais si en ce moment vous n'êtes pas bien,
Parlez-en vraiment à votre partenaire et dites-lui clairement les choses et dites-lui que vous avez besoin de lui, que vous avez besoin d'elle pour telle chose. Soyez aussi précis dans vos demandes parce que c'est bien joli souvent, et moi le premier, hein, on est là à dire j'ai besoin de toi, oui j'ai besoin de toi, t'as besoin de moi, d'accord, oui, mais pourquoi? Pourquoi faire? Comment puis-je t'aider? Et ce qui fait que l'autre va se plonger dans une sorte de stress permanent à se dire sur quoi il ou elle a besoin d'aide, sur quoi je peux lui venir en assistance. Et donc du coup, il va tout mettre en place, il va vouer son énergie dans plein de domaines, dans plein de choses, pour essayer de pallier à votre demande parce qu'il ne sait pas exactement la problématique. Vous lui avez dit, j'ai juste besoin de toi. Mais soyez précis. Mon amour, faut que je te parle en ce moment. Je me sens pas bien, je sens que j'ai envie de fumer, je vais reprendre à fumer, j'ai besoin de toi pour m'aider, pour pas craquer, etc. Ou alors, en ce moment, ça va pas bien parce qu'on est telle date, j'ai tel souvenir dans la tête, je pense à ceci, je pense à cela. Voyez, soyez précis dans votre formulation si vous voulez que l'autre puisse vraiment vous aider et vous apporter une solution concrète. Et enfin, nous avons allumé la flamme, provoqué les choses au lieu de les attendre. Voilà, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'épiloguer, parce que je trouve que ça colle super bien avec l'autre carte, à savoir demander de l'aide. Mais on nous parle ici aussi d'allumer la flamme. Peut-être que dans votre couple, il faut raviver certaines choses, il faut raviver une forme de passion, une forme de... Il est possible, hein, les couples, ça de toute façon, c'est ce qui arrive le plus souvent au couple, c'est-à-dire qu'on se fait vraiment gangréner par le quotidien qui devient une routine. Et comme je vous le dis souvent, le quotidien, c'est bien, la routine, c'est mal. Là, on tombe dans les clichés. Non, mais le quotidien, pour faire simple, c'est quelque chose qui nous rassure. Hein, le quotidien, c'est par exemple son habitude de se lever à 6 h du matin, boire son petit café, manger son petit croissant, traîner un petit peu en pantoufles. Voilà, ça, c'est des trucs qui sont agréables, c'est notre quotidien, c'est les petites habitudes. Mais il faut faire attention que ce quotidien ne se transforme pas en routine, et là, après, ça gangrène vraiment le couple. Donc, il faut aussi savoir raviver la flamme. Donc, peut-être que pour raviver la flamme de votre couple, demandez de l'aide. Peut-être que c'est ce qu'il attend, ce qu'elle attend. C'est-à-dire qu'il voit bien, il ou elle voit bien que vous n'êtes pas bien en ce moment, que vous traversez quelque chose peut-être qui vous travaille un petit peu, qui demandez de l'aide, demandez lui d'être là pour vous, mais comme je l'ai dit, soyez précis dans votre formulation et ça va permettre eh bien, de pouvoir mettre en place des choses, de pouvoir mettre en place des activités, des loisirs, du partage, des choses qui font que vous allez pouvoir resserrer les liens de votre intimité, pouvoir retrouver un certain équilibre dans vos rapports intimes. Enfin, voyez, ça peut être plein de choses. Et puis le fait que vous formuliez aussi votre mal-être, que vous lui disiez que vous n'êtes pas bien, que vous avez besoin de lui, vous lui envoyez le message que vous êtes vulnérable et que il ou elle est votre soutien et que du coup vous avez besoin de lui. Du coup, ça va le valoriser. Votre partenaire va se sentir important et va se sentir important, mais aussi dans votre vie, hein, puisque du coup, il ou elle sent que vous avez besoin de lui. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Et enfin, le petit message du veilleur. Ok. Alors, on en a trois qui sont sortis. Plouf, plouf. Plouf, 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 plouf. Ah, je sais pas, je vais toutes les prendre. Je vais toutes les prendre, je vais toutes les prendre, j'arrive pas à faire plouf-plouf. Parce que peut-être que, il faut qu'il y ait ces trois messages qui sortent pour vous. Le premier, c'est pleure, tu as perdu, à quel prix et sors ta peine. Donc ici, on vous demande de vous exprimer, d'arrêter de réfréner vos sentiments, vos émotions. Au contraire, exprimez-vous, exprimez ce que vous ressentez. L'autre vous dit, bats-toi, nulle cause n'est perdue tant qu'un fou luttera pour la défendre. Donc ici, on vous dit que les choses ne sont pas terminées et ça va bien avec l'onde de vie qu'on a eue sur le carré fantabuleux qui nous parlait tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et bien, c'est exactement ça. Peut-être que vous traversez une phase très difficile dans votre couple en ce moment, mais tant que ce n'est pas cassé, tant que ce n'est pas fini, tant qu'il subsiste encore quelque chose, mais ça va aussi dépendre de vous. Donc ne soyez pas dans l'expectative d'attendre que les événements arrivent. Non, provoquez les événements. Si vous ne voulez pas que une rupture arrive, que ceci arrive, que, eh bien, provoquer les événements aussi.
Et enfin, on nous parle d'improviser pour voir à toutes les éventualités et les opportunités. Donc on est vraiment encore dans une phase d'action. Ne soyez pas dans l'attente, les amis, ne soyez pas dans l'expectative. Et ça va bien avec le fait de demander d'aide, je recommence, de demander de l'aide. Puisqu'effectivement, si en ce moment vous n'êtes pas bien, eh bien n'attendez pas d'être encore moins bien, mais agissez tout de suite et dites, exprimez-vous. Et dites que vous n'allez pas bien, que vous avez besoin d'aide sur tel point, sur tel domaine, sur telle chose. Et voilà. Voilà donc mes chers amis pour notre guidance sur l'amour. J'espère que ce format vous aura plu du coup sur l'amour. Et si ça vous plaît, on se fera ça mais en vidéo plus exclusive pour travailler vraiment le domaine amoureux. Parce que là aussi j'en ai marre de voir des trucs. Est-ce que je vais trouver l'amour? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que machin? C'est bien, mais faut aussi travailler autre chose. En amour, il y a des problématiques parfois qui sont plus importantes que savoir si l'ex machin va revenir dans votre vie. Non, l'important c'est nous, hein, c'est pas les autres, c'est nous, et travailler sur nos problématiques, c'est mieux, hein, c'est beaucoup mieux. Allez, je propose une petite question fermée par oui ou par non, donc je vous laisse poser, formuler votre question. Pendant ce temps-là, on va se faire nos petites runes sorcières. Vous avez vu, on a la lune à nouveau qui est sortie, donc on a vraiment ici pour moi quelque chose, je sais pas, il y a vraiment, en plus avec le soleil, je pense ici qu'on nous parle vraiment, possiblement d'une révélation. Ici là, cette rune, vous voyez, elle est cachée. Je pense qu'ici, il y a une information dont vous n'avez pas connaissance, quelque chose, je sais pas, ça peut être un secret, une information, quelque chose en lien sur votre famille, sur le travail, sur vous-même, je sais pas, mais il y a quelque chose en fait ici qui est caché entre soleil et lune, c'est-à-dire que comme s'il y avait une sorte d'éclipse, voyez ? Quelque chose qui s'oppose aux deux et qui empêche la lumière d'être fluide et de pouvoir frapper la lune. Donc ce qui fait que là on est sur une face cachée de la lune, qui fait qu'il y a vraiment quelque chose ici qu'on ne voit pas, quelque chose qui est occulté. Mais regardez ici on a l'étoile, donc pour moi quand même, je pense qu'il y a certains éléments de réponse peut-être que vous avez, et si vous reliez les points entre eux comme une constellation, ça vous donnera possiblement soit la réponse complète ou quelque chose qui serait suffisamment explicite pour que vous puissiez le comprendre. Est-ce que vous avez suivi ce que je viens de vous dire? Est-ce que c'était clair? En gros, pour moi, je pense qu'il y a certains indices qui sont à votre disposition et qui vous suffiraient d'interpréter, qui vous suffiraient de regrouper pour extraire peut-être un début de réponse, un début de révélation. Puisqu'effectivement, ici en plus, on a le carrefour, donc qui nous parle de partir dans tous les sens. Effectivement, vous recherchez des solutions un peu partout et n'importe où, mais peut-être que vous vous éparpillez trop en ce moment, vous partez trop dans tous les sens. Et au contraire, il faudrait faire comme un entonnoir, c'est-à-dire, hop, vous dirigez et vous canalisez, vous concentrez que sur un seul point, sur une seule chose. Vous ne pouvez pas décemment tout faire et tout gérer en même temps. Il vous faut un cap, il vous faut quelque chose qui soit droit, qui soit fixe, un seul but précis. Donc essayez de vous faire violence pour vous concentrer sur un seul point à la fois et pas plusieurs. Surtout que regardez, la plupart des runes là sont toutes cachées et on a un message qui est central, qui est ici. Vous voyez, comme pour attirer notre attention sur les autres runes là, tu vois, ça on s'en fout. Ce qui est important, c'est juste ça, c'est ce message là. Et en plus, fait exprès, il est bien tombé dans le cercle du soleil. Donc on a vraiment que ce message qui est très important. Et ici, à l'extérieur du cercle, on a quand même la rune ici de la faux qui nous parle de couper quelque chose. Peut-être qu'il est grand temps pour vous d'enfin couper un lien, couper une relation, couper quelque chose, de mettre un terme définitif à quelque chose, parce que justement ça vous empêche, c'est en dehors, vous voyez, pour moi, comme je le visualise là dans ma tête, il y a ça qui doit être votre cible, et tout le reste, on s'en fout. Coupez et concentrez-vous que sur une seule chose. Ça sera important pour vous de vous recentrer sur une chose précise et pas plusieurs. Allez, maintenant je vous propose la pièce de fortune.
Donc vous avez votre question par oui ou par non. Peut-être que ce que je vous ai dit dans les runes, ça va vous inciter à prendre peut-être une autre question. Donc n'hésitez pas. Et c'est parti. Oula, 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 oula. Nous avons un non. Nous avons un oui. Et nous avons un non. Donc on a deux noms pour un oui. Donc ce qui est plutôt défavorable. Attention, c'est pas un non ferme et définitif. C'est plutôt défavorable. Hein. Donc ce qui veut dire que c'est plutôt non. C'est plutôt à éviter. C'est voilà, c'est plutôt non. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un non catégorique. Ok ? Allez maintenant, nos baguettes chinoises. Et nous avons la numéro 12. Alors, la 12 nous dit « Vous êtes peut-être en train de traverser une période de malchance, mais les choses vont s'arranger avec une aide extérieure. Vous aurez assez d'argent pour vous offrir non seulement le nécessaire, mais aussi de nombreux petits luxes. Actuellement, il vaut mieux investir de l'argent. Actuellement, il vaut mieux investir l'argent que vous touchez dans du long terme plutôt que de le dépenser aussitôt. Ce n'est pas une bonne période pour voyager car vous risquez de rencontrer de nombreuses difficultés en route et de rentrer chez vous en retard. » C'est vraiment drôle. C'est drôle hein, parce que à chaque fois je vous le dis, mais à chaque fois c'est vrai, c'est baguette, c'est quand même impressionnant. Là, la baguette vient de résumer en quelques phrases tout ce que je viens de vous dire dans l'ensemble des tirages. C'est quand même fou, hein. Je vais pas épiloguer davantage parce que bah, ça résume à la perfection. Autrement dit, voilà, en ce moment, il y a des choses qui font que oui, vous traversez une période qui est pas facile, mais des solutions vont être apportées. Je vous parlais de placement, etc. Bah, effectivement, si vous êtes amené à dépenser de l'argent, dépensez-le intelligemment. Dites-vous que c'est pour quelque chose dans du long terme et pas des bricoles. Mais voilà, les solutions vont être apportées. C'est quand même drôle, hein. Franchement, c'est vraiment marrant. Allez, maintenant, on se retrouve pour notre astrochance de la semaine. Notre astrochance de la semaine. Pour les petits nouveaux à qui je souhaite la bienvenue sur la chaîne, je vous explique un petit peu le principe de l'astrochance. On va travailler donc avec les signes astrologiques. On va également s'appuyer avec des sets de dés, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça s'appelle la kibomancie. Je vais utiliser un set de dés noirs avec des faces plus 1 jusqu'à plus 6 pour un total de 24 points. Et des dés blancs avec des faces moins et plus, je ne sais pas si vous voyez, qui vont permettre d'additionner ou soustraire des points. Donc du coup, le score maximum que vous pouvez faire, c'est 28 et le score minimum, c'est 0. Je vous rassure, c'est encore jamais arrivé. Et tout simplement, c'est pour définir votre taux de chance pour la semaine à venir, c'est-à-dire si les choses, si les augures sont favorables, hein, si jamais vous faites un très mauvais score, ça ne va pas indiquer que vous allez prendre une météorite sur le coin de la tronche et qu'il ne faut pas sortir de chez vous. Ça veut simplement dire que si vous avez certains projets et que bah, c'est peut-être pas le bon moment, il faudrait peut-être attendre un petit peu, peaufiner certaines choses, prendre plus de temps, etc., etc. Éviter de prendre certaines initiatives, ou au contraire, si vous avez un gros taux de chance, ça veut dire que c'est le moment idéal pour faire les choses, pour les lancer. C'est juste un indicateur pour vous aider si en ce moment c'est plutôt bon pour vous ou si on attend un petit peu. Et comme d'habitude, on casse c'est le cas de dire, les habitudes, à savoir les béliers qui commencent toujours début et les poissons qui finissent toujours à la fin, il y en a marre d'être les derniers. Donc du coup, moi je suis contre les discriminations de toutes sortes. Je mélange donc les signes astrologiques et je laisse le hasard décider de qui commencera en premier et ce seront les... J'ai eu peur, j'ai cru que c'était les béliers, j'allais dire non mais c'est une blague. Ce seront les capricornes qui vont commencer. Alors, les capricornes. Ouh, les capricornes, joli score, ça. 6 et 4, 10 et 6, 16. 16 et 5, 17. 17, on a un petit moins, ça nous fait 16. Et on a 2 plus, ça nous fait 18. C'est un joli score, les capricornes. Vraiment, je pense que pour vous, cette semaine, c'est une bonne semaine. Et ça peut être le bon moment pour être eh bien, dans des initiatives de certaines choses. Si vous voulez vous lancer dans certains projets, dans certaines choses, c'est effectivement le bon moment pour commencer, en tout cas, à mettre en place. Donc, n'ayez pas peur d'être entreprenant pour vous, mes amis Capricorne. Nous aurons ensuite les Vierges.
Les vierges. Alors, les vierges, 6 et 5, 11 et 1, 12 et 3, 15. 15, on a un petit moins. Ah non, on a deux moins, pardon. Ça nous fait du coup 13. 13 et de plus, on revient à 15. Les vierges, c'est aussi un joli score, hein, puisque vous êtes au-dessus de la moyenne. Donc les vierges, c'est aussi un moment propice pour vous. C'est une bonne semaine pour être pareil dans une phase d'action, pour mettre en place les choses et au contraire ne pas attendre. Hein. Si vous avez des choses en tête, c'est le moment pour réaliser et concrétiser. Les balances. Les balances, oh mais les balances aussi, ça m'a l'air joli ça. 6 et 4, 10 et 5, 15 et 3, 18. Bon, 18, on a deux petits moins, ça porte à 16, mais ça reste joli pour vous aussi les balances. Même conseil du coup pour les capricornes et les vierges, c'est une semaine qui est propice pour mettre en place ce que vous avez envie. Donc n'hésitez pas, soyez vous aussi dans l'action, tout simplement. Les sagittaires, attendez, j'aurais pas mis mes cartes à l'envers, moi. Là, voilà. Les Sagittaires, ah ben les Sagittaires aussi, c'est pas vilain. Alors si c'est 4, 10, c'est 3, 13 et 1, 14. 14, on a deux petits moins, ça nous fait un petit 12, mais on a un petit plus pour remonter le tout, ça nous fait 13. Les Sagittaires, j'ai envie de dire qu'on est plutôt dans une chance moyenne, c'est-à-dire que si les choses doivent se faire cette semaine, elles se feront, et si elles ne se font pas, eh ben ce n'est pas grave, ça sera sans conséquence, ça veut simplement dire que c'était pas le bon moment, ou que ça devait pas se faire, tout simplement. Donc j'ai envie de vous dire pour vous, les Sagittaires, eh bien simplement tentez, hein, faites ce que vous avez à faire, vivez ce que vous avez à vivre, et si les portes s'ouvrent, ça devait s'ouvrir, et si les portes elles s'ouvrent pas, eh ben vous passez votre chemin, et puis vous passez à la suivante. Les poissons. Les poissons, attention, j'ai peur. Ouh là là, bah, effectivement, j'ai bien fait d'avoir peur. Alors, si c'est, on va inverser, on va prendre 9 comme ça. Donc 9, non, pas de triche. Si c'est 3, 9 et 1, 10 et 1, 11. 11, on a un petit moins, ça nous fait plus que 10. Et heureusement, on a 2 plus pour sauver les meubles parce que... Donc ça nous fait 12. Les poissons, même conseil que pour vous, les sagittaires, c'est-à-dire c'est une semaine... Quitte ou double, si ça fonctionne, c'est bien, ça devait se faire, et si ça marche pas, eh ben c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, hein, il n'y aura pas de conséquences derrière, c'est que ça ne devait pas se faire, tout simplement. Donc pour vous, mes amis poissons, même conseil que pour les sagittaires, vous tentez, vous essayez, vous expérimentez, ça porte ses fruits, c'est bien, ça porte pas ses fruits, ben c'est pas grave. Les béliers. Les béliers, 5 et 5, 10 et 4, 14 et 2, 16. 16, on a un petit moins, ça nous fait plus de 15 et on a 2 plus, ça nous fait un joli 17. Bon, les béliers, vous êtes dans la fourchette haute quand même, comme pour les premiers signes. Donc bélier, pareil, c'est une bonne semaine pour vous. Allez-y, tentez, soyez vous aussi dans l'action. Pour le coup, hein, vous avez tendance à foncer tête baissée. Bah, j'ai envie de vous dire, là, vous pouvez plus ou moins foncer tête baissée. Normalement, il devrait y avoir un gros coussin pour amortir, au cas où. Mais voilà, normalement, c'est une bonne semaine aussi pour vous pour entreprendre et mettre en place certaines choses. Les cancers. Les cancers, on a 6 et 4, 10, 10 et on a 4 au total, ça nous fait 14. On a deux petits moins, ça nous fait un petit 12 et on a un petit plus, ça nous fait 13. Bon, quand même, vous noterez les amis que pour l'instant, bon, il reste encore presque la moitié des signes, mais quand même. La plupart, on est quand même sur des bonnes énergies, sur une bonne chance. Hein. Quand je vous parlais d'une semaine où on nous propose des solutions, des portes qui vont s'ouvrir, etc., etc., je pense que c'est valable quand même pour tous les signes parce qu'on est tous dans la moyenne et au-dessus de la moyenne. Donc on est quand même sur un bon taux vibratoire de chance. Donc les cancers, même consigne, la chance quand même... combien je vous ai dit les cancers? Si c'est 4, 10, 14, 15, 15, 13. 13, donc c'est une chance moyenne aussi, comme les sagittaires. C'est-à-dire que, pareil pour vous, cancer, vous tentez, vous essayez. Si ça fonctionne, tant mieux. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, c'était pas encore le bon moment. Il est possible que ce soit pour la semaine prochaine. Hein, mais voilà, essayez, ne soyez pas dans l'attente. Au contraire, essayez, essayez. Les scorpions. Les scorpions, 5 et 5, 10 et 4, 14 et 3, 17, 17. Oh, il y a le petit moins là pour embêter le monde. Ça nous fait 16. Bon, ça reste quand même une jolie chance qui est assez haute aussi. Donc pareil les amis, scorpions, vous êtes dans la même énergie cinétique de chance. Donc profitez-en pour mettre en place, pour essayer, pour expérimenter. Et vous pourriez avoir des résultats quand même assez bien positifs. C'est le moment éventuellement pour planter
aussi certaines graines, hein, certaines graines de projet, pour les voir germer avec le temps. Les Verseaux. Les Verseaux. Oh, les Verseaux. Ah, j'avais pas vu les 3 moins. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que vous allez comprendre, ça faisait un joli score. 3 x 5, 15 et 4, 19. Et un petit plus, ça nous fait 20. Là, les Verseaux, c'était vous qui aviez le meilleur score. 20, mais on a 3 petits moins qui descendent le tout à 17. Bon, ça reste quand même positif. Ça reste quand même très positif, ce qui veut dire que pour moi, attention, du coup, les Verseaux, le fait que vous ayez 3 moins, on s'approche presque des 4, hein, et je vous le dis toujours, quand il y a 4 plus ou 4 moins, ça veut dire que soit il y a un événement extrêmement positif, un gros coup de chance qui va arriver, ou l'inverse. Et là, on est sur 3 sur 4, hein, donc ce qui veut dire pour vous, les Verseaux, attention, vous avez une bonne chance quand même, mais il se pourrait aussi qu'il y ait une opportunité qui s'offre à vous, et parce que vous avez peur, parce que vous avez hésité ou parce que vous n'avez pas donné une réponse dans l'immédiat, cette chance pourrait vous passer sous le nez, c'est-à-dire qu'elle va vous se présenter une seule fois, et si vous ne faites pas bien les choses comme vous devriez ou être dans l'action tout de suite, c'est-à-dire ne réfléchissez pas, faites-le, n'attendez pas à donner la réponse tout de suite, soit oui, soit non, peu importe, mais décidez-vous, ne restez pas le cul entre deux chaises, si je puis dire, décidez-vous, parce que là, il y a une bonne chance qui est présente pour vous, mais il y a une opportunité qui pourrait se présenter, et si vous attendez trop, elle pourrait partir. Les Taureaux. Les Taureaux, on a 6 et 4, 10 et 5, 15 et un 16. 16, on a un petit moins, ça nous fait 15, et on a 2 plus, ça nous fait 17. Bon, les Taureaux, et ben même consigne, même conseil. Vous êtes aussi dans la fourchette haute de chance. Hein. Vous voyez quand même, les énergies sont cohérentes entre elles, hein, parce que je vous parlais quand même, on a eu un joli tirage dans l'ensemble. Et là, il reste plus que 2 signes. On a quand même une belle chance pour à peu près tout le monde. Donc les Taureaux, profitez aussi de cette semaine qui pourrait être très positive, qui pourrait être productive pour vous. Donc soyez aussi, vous aussi, dans cette dynamique de d'être dans l'action, de démarcher, de faire les choses, de mettre en place, puisque ce sera productif et ce sera positif. Et enfin, pas du tout, les Gémeaux. Les Gémeaux, ah, ça m'a l'air pas mal ça aussi. 6 et 6, 12 et 3, 15 et 2, 17. 17, on a un petit moins, ça nous fait plus que 16, mais on a deux jolis plus qui nous font 18 pour vous les Gémeaux. C'est donc une belle semaine qui vous attend avec un joli taux de chance. Donc vraiment, pour vous les Gémeaux, vous n'avez pas à avoir peur. Lancez-vous, soyez dans l'initiative, faites le premier pas. N'ayez pas peur des répercussions, des conséquences ou autres, parce que là, pour le coup, la chance est vraiment avec vous. Si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus les Capricornes, mais il me semble que vous êtes le signe le plus haut en termes de chance pour l'instant, donc profitez-en vraiment. Et enfin, les Lions. Les Lions, est-ce que les Lions vont tout exploser? 6 et 4, 10 et 5, 15 et 2, 17, 17, un moins, un plus, et ben non, les Lions, vous restez à 17 aussi, dans le même taux de chance. Donc vous voyez les amis, les énergies ont vraiment été cohérentes, puisque tous les signes, on est tous dans un taux vibratoire de chance positif. Même les Poissons qui ont eu 12, qui étaient... le plus bas, mais 12 c'est quand même la moyenne, donc ce qui veut dire qu'on est vraiment bien dans cette énergie de chance. Donc les Lions, même conseil, soyez dans la dynamique d'action. Mettez en place, faites les choses, soyez entreprenants, mais vraiment expérimentez, essayez aussi, puisque pareil pour vous, les énergies sont là, elles sont positives, la chance est avec vous, donc allez-y, tout simplement allez-y. Voilà donc mes chers amis pour cette synthèse d'astrochance sur la semaine du 28 juin au 4 juillet 2021. Ce sera tout les amis pour cette vidéo qui est extrêmement longue, je vous le concède. Mais en même temps, si j'avais pas eu 40 minutes de blabla au début, elle aurait été un petit peu plus courte dans ce qu'on fait d'habitude. Mais bon, ça fait quand même presque 15 jours que vous m'avez pas vu, enfin que vous m'avez vraiment pas vu, même si je vous avais fait des petites choses. Et voilà, donc j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu, en tout cas pour les énergies de la semaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et du coup on conservera la formule. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous avez apprécié la partie guidance, amour, qui est liée un petit peu avec la peur, toute la partie un peu sombre. Personnellement, j'ai beaucoup aimé.
J'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça permet de faire des approches différentes sur l'amour et de vraiment travailler sur des vraies problématiques, des vraies choses qui pourraient concrètement apporter de vraies solutions. Hein, quand on parle par exemple pour les célibataires de quoi aviez-vous peur, de quoi avez-vous peur, et je vous laisse une semaine pour travailler sur cette peur-là, et bien grâce à ce travail, vous allez peut-être pouvoir avoir des réponses concrètes pour mettre en place après des solutions pour mettre un terme à votre célibat. Ou au contraire, pour vous, les couples, hein, de demander de l'aide, de solliciter l'autre, etc., etc. Personnellement, je trouve ça plus intéressant que toujours tirer des cartes dans le sens où oui, vous allez rencontrer l'amour, non, c'est pas le bon moment, machin. J'ai rien contre ces pratiques, qu'on soit bien d'accord, hein, je veux pas me faire insulter par mes collègues en commentaire, et je critique nullement leur travail, mais c'est juste que j'ai pas envie en fait de faire ce que tout le monde fait, et je veux vraiment vous proposer quelque chose qui soit différent. Vous le savez en plus, j'ai une part de sombre que j'ai toujours assumée pleinement, et ceux à qui ça pose un problème, comme je vous l'ai dit, c'est votre problème, c'est pas le mien. Et du coup, j'ai envie aussi de vous partager tout ça, de vous proposer tout ça. Parce que j'ai réalisé de toute façon que je ne rentrerai jamais dans le moule, que je serai jamais comme ces personnes qui sont licorne, paillettes, tout ça, et que non, je suis comme je suis, et il faut s'accepter tel qu'on est, et il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit, il n'y a pas, c'est pas parce que vous aurez une part sombre un peu plus importante que ça fait vous quelqu'un de mauvais. Je pense pas être quelqu'un de mauvais, j'espère pas. Donc non, il faut s'accepter tel que l'on est, et surtout il faut renouer avec tout ce que l'on n'ose pas assumer. Ça, c'est vraiment un problème de frustration importante et qui est responsable aussi de plein de problèmes qu'on peut avoir, mais des problèmes qui peuvent être aussi physiques, qui peuvent altérer la santé, hein, parce qu'à force de toujours être dans la frustration, dans le renoncement, dans le non, dans l'autodestruction, dans l'autocritique, etc., dans je suis nul, je suis bête, etc. Vous vous rendez pas compte, mais on est toujours du coup stressé, angoissé, on est mal dans notre peau, mal dans notre corps. On s'aime pas, on est toujours en train de se comparer à Pierre, à Paul, à Jacques, on se trouve moche et ceci et cela, et au final c'est comme ça qu'on finit complètement frustré, complètement détruit, déprimé, burn-out et compagnie et compagnie. Mais si déjà on commençait par pleinement s'accepter comme on est, chacun tel que l'on est, se trouver beau tel que l'on est, parce que chacun, on est tous beaux à notre manière, hein. Qui peut dire qui est beau? C'est quoi la beauté? La beauté, c'est tellement subjectif. Donc, qui peut définir de qui est vraiment beau, de qui est vraiment moche, hein? Personne peut dire ça. Personne, absolument personne. Angelina Jolie en personne n'a pas le droit de dire toi t'es moche. Non, c'est pas parce qu'elle ne te ressemble pas que cette femme est moche. Voilà. Vous voyez, donc pour moi, la beauté, c'est. On peut pas. Il y a plein de critères comme ça qui font que dans notre société, on est toujours en train de se comparer à Pierre, Paul, Jacques, mais ce qui fait que on est en train de devenir des gens frustrés, certains deviennent même débiles parce que la frustration conduit à de la bêtise, conduit à plein de choses qui sont complètement erronées, et toute cette bêtise après se transforme en haine, en colère, et ça donne lieu à des choses pas possibles. Donc, acceptez-vous comme vous êtes. Déjà, ça, c'est le premier travail à faire. Acceptez-vous comme vous êtes et aimez-vous aussi comme vous êtes, et soyez dans cette dynamique, hein, dans cette dynamique de vraiment vous reprendre en main, de prendre les choses de votre vie en main, de prendre votre vie en main, de vous contrefoutre aussi des autres, parce que très clairement, c'est pas les autres qui gèrent votre vie, c'est la vôtre, d'accord, hein, comme je vous le dis souvent, une vie, on n'en a qu'une, hein. Alors, pour ceux qui croient en la réincarnation, tout ça, il n'y a pas de souci, mais pour le moment, vous vivez celle-là, hein. Vous vivez pas celle d'avant ou celle d'après, vous vivez celle-ci. Donc c'est celle-ci dont il faut s'occuper tout de suite là, hein. Après, on aura du temps pour s'occuper des autres, mais là, on s'occupe de celle-ci d'abord. Et c'est pas la voisine, c'est pas la boulangère, c'est pas le boucher, c'est pas je sais pas qui. Non, personne n'a à vous diriger. Donc soyez comme vous êtes, assumez-vous pleinement, soyez fiers de qui vous êtes aussi, aimez-vous tel que vous êtes, et puis travaillez ce que vous avez à travailler, et puis voilà. Bon, sur ce, je vais arrêter parce que sinon la vidéo va faire 3 heures, c'est pas possible. Donc moi, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve normalement tout au long de la semaine puisque j'ai prévu une batterie de vidéos que j'aurai le temps de faire maintenant. Et puis prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je suis vraiment très content de pouvoir vous retrouver. Et n'hésitez pas, même si je m'en fous aussi, mais n'hésitez pas quand même à me mettre en commentaire comment est-ce que vous me trouvez, parce que je vais juste vous confier quelque chose, c'est que je me sens vraiment bien, je me sens mieux, je me sens
enfin plus en phase. Vous voyez, le fait d'avoir réagencé tout mon cabinet, déjà ça m'aide beaucoup parce que le cabinet maintenant il ressemble vraiment à qui je suis. C'est-à-dire que je vais un petit peu vous expliquer quand même. Là, sur les étagères où il y avait les trucs d'Égypte, j'ai mis mes encens, enfin tout ce qui m'est utile pour ma pratique magique. Là, je me suis fait vraiment un espace pour faire les reviews quand je vais vous présenter les jeux, tout ça. Du coup, je poserai la caméra et j'aurai vraiment un espace consacré pour vous présenter les jeux, etc. Sans que ça me mette du bazar partout sur mon bureau, parce que du coup, mon bureau est devenu mon hôtel. Je voulais en fait acheter une petite table que je voulais mettre derrière et tout, rajouter du bazar. Mais en fait, non, je me suis dit, non, tu vas ranger ton bureau. Ça va être ton hôtel, après tout. Voilà, et tout le reste ça va être différent. Donc du coup l'Egypte c'est tout parti sur l'autre étagère derrière. Vraiment j'ai tout agencé différemment parce que finalement l'Egypte c'est plus en termes de déco hein. Je pratique pas spécialement la magie égyptienne, j'en fais mais ce n'est pas la base de ma magie en fait. Donc du coup tout ce qui était Égypte, j'ai tout mis ensemble sur une étagère déjà pour juste pour l'aspect déco. Et en revanche tout ce qui m'est utile et pratique hein, vous voyez comme par exemple là sur l'étagère, j'ai mis tout ce qui était tout ce qui m'est utile pour ma divination, comme les pendules, mes tasses de tasséomancie, mes petits livres de bibliomancie, le cercle messager des anges, mes différents jeux de cartes, etc. Vous voyez, j'ai vraiment agencé pour que mon cabinet soit fonctionnel, mais pour moi en fait, qu'il soit pas juste joli. Alors oui, c'est agencé de façon plus harmonieuse. Et ça, vous me l'avez dit en commentaire sur la petite vidéo. Pourquoi, en fait, vous trouvez le cabinet plus lumineux? C'est pas qu'il est plus lumineux, parce qu'en fait, il y a une partie qui est beaucoup plus sombre. En fait, j'ai vraiment divisé. Je vous montrerai l'autre partie, la partie hôtel. On verra, parce que certains vont pas être prêts, vont me dire, ah, mon Dieu, Jojo, j'ai peur. Non, mais c'est qu'il n'y a pas à avoir peur, en fait. C'est que j'ai vraiment défini mon cabinet avec un mélange de lumière et de sombre. Et c'est dans cet équilibre, en fait, que je me plais. Et c'est surtout, en fait, dans cet équilibre. Je suis quelqu'un comme ça. Vous le voyez de façon dans mes jeux hein, je prends par exemple l'œil dans le noir, il y a des cartes positives, il y a des cartes très sombres, et je suis comme ça, équilibré dans cette zone au milieu des deux. Et ma magie, elle correspond aussi aux deux, c'est-à-dire qu'il y a des fois, il faut faire des choses pour véhiculer le bien, et puis il y a des fois, il faut faire des choses pour relancer le bien, mais en faisant certains actes. Voilà. Mais ça, tout ça, je vous l'expliquerai, parce que vous avez besoin, je pense que vous avez vraiment besoin qu'on vous explique sincèrement plein de choses. Et le problème aujourd'hui c'est que on vous fait croire que si vous travaillez pas avec les anges alors vous êtes démoniaque, si vous faites pas ceci, vous voyez, même si c'est ça qui est dramatique, c'est que c'est ce que je vous expliquais. Aujourd'hui, l'Inquisition n'existe plus. L'Église n'est plus la reine-mère qui dirige tout. Mais j'ai l'impression que l'Église, aujourd'hui, est devenue beaucoup plus... beaucoup plus compréhensible par rapport à des spiritueux... Non, ça se dit... Comment on dit ça? Enfin, vous voyez, des gens qui sont dans le spirituel, qui se disent, qui se prétendent être plus ouverts et qui, en fin de compte, condamnent, sont encore pires que l'Inquisition. Parce que si on pouvait rétablir les bûchers, je pense que certains... Moi le premier hein, déjà en tant que handicapé, homo, sorcier avec une tendance un peu pour le sombre, alors moi pour le coup moi je finis je suis le premier à partir sur un bûcher hein. Mais voilà, moi ce qui me dérange en fait c'est qu'il y a trop d'hypocrites dans ce milieu quoi. Ça se dit être super ouvert d'esprit machin et tout, mais en fin de compte si vous n'avez pas les pratiques, les mêmes pratiques que tout le monde, ce qui est politiquement correct sur YouTube et les réseaux sociaux, alors non, vous êtes... Et ça m'insupporte parce qu'en fait ces personnes-là se disent être lumineuses mais ne se rendent pas compte qu'elles véhiculent finalement une image hyper sectaire, une image qui est associée finalement aux ténèbres et aux vraies ténèbres, et ne sont pas du tout dans la lumière mais sont dans l'ignorance, se complaisent dans l'ignorance et véhiculent encore plus d'ignorance, et donc du coup véhiculent des mensonges, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très vicieux dans ce milieu là et c'est pour ça aussi que je me suis déconnecté de plein de choses, parce que j'en peux plus toutes ces conneries. Je suis désolé de le dire tel quel, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses en fait qui m'insupportent vraiment maintenant. Et j'ai plus envie de ça. Donc c'est pour ça que désormais la chaîne, vous allez me voir comme je suis, point barre. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, je m'en contrefiche, mais alors complètement, hein, vraiment complètement. Hein. Et je vous partagerai désormais ce que j'ai envie de vous partager, et je vais essayer au maximum de vous véhiculer des choses qui sont le plus proche de la réalité, le plus proche des vérités historiques, etc., etc. Mais ça sera à découvrir plus tard sur la chaîne. Bon, cette fois-ci, j'arrête, promis, j'ai peur quand je vais monter la vidéo, je sens qu'elle va arriver à 1h45 ou un truc comme ça. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve pour de prochaines vidéos.